Bonsoir à tous et à toutes. J'avais dit que je me planterais, je me suis planté. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau live robotique, live numéro 35. Écoutez, salut tout le monde. Alors il y a du monde déjà hein, sur le. On était déjà en before juste avant. Donc salut Défaut Rouge, salut Grumonton, salut Alex Ness, salut Roger Schind, Kamikaze. Reduke, Défaut Rouge, j'ai déjà dit. Bref, il y avait un peu non. Non, mais tu as rajeuni. C'est gentil. Ah oui, je me suis coupé les cheveux. J'avais oublié de le dire dans le dernier live. Vous risquez de. C'était la dernière fois que vous allez me voir avec une grosse touffe avant longtemps. Et voilà, donc j'ai été. J'ai pas été chez le coiffeur, mais je me suis rasé les cheveux. Such live, ouais. Depuis tout à l'heure, Alex, il envoie des trucs dans le chat en mode super maker, mainstream, outbandwidth, tout ça. T'as inversé les touffes. Alors, je te laisse à ton imagerie de voilà. Bref, ça me fait plaisir de vous revoir cette semaine. Comme d'habitude, live robotique dimanche à 22h. Salut Alf, salut King. Et on va démarrer parce que on a quand même beaucoup de boulot et c'est parti pour le récap de la semaine. Alors, le récap de la semaine. Alors déjà, on va se mettre un petit peu de musique. Voilà, un peu de musique, tranquille bilou. Voilà, boum. Vous me dites si c'est trop fort, si c'est trop fort, je baisse. Salut Rosalind, si c'est pas trop fort, je monte. Et vous avez déjà vu qu'il y a quelque chose qui a changé. Voilà, ici. Alors attendez, je vais revenir en arrière. C'est que j'ai fait une petite modification de caméra et en fait on va voir ça tout de suite. J'avais pas du tout préparé le setup, c'est genre j'ai eu l'idée juste avant de démarrer. Et du coup, attention, attention, là je suis un poil trop fort la zic. Ah, alors attendez, hop, on descend la musique. Voilà, je vais juste monter un peu mon son à moi. C'est toujours pas évident d'avoir votre retour parce qu'il y a le son en même temps. Super Balou, salut Super Balou. Et du coup, voilà, attention, je vais vous montrer quelque chose. Vous avez déjà vu parce que je me suis complètement planté. Voilà, allez, 1, 2, 3. Voilà. Alors, pas nouvelle caméra, parce qu'en fait, la caméra que Many Colors, c'est tout excellent. La caméra que j'utilise là, c'est une caméra que j'utilisais déjà en live il y a quelques mois, mais je l'utilisais avec une prise HDMI. Et en fait, la modification qu'il y a depuis quelques jours, c'est que, et hop, zou, sans transition. En fait, Canon a sorti un petit utilitaire en bêta encore qui s'appelle iOS Webcam Utility, qui permet en fait de prendre n'importe quel, quasiment n'importe quel boîtier Canon. Et de le transformer en webcam en le branchant en USB. C'est quelque chose qui n'existait pas avant, qu'on ne pouvait pas faire ou très difficilement. Ou alors il fallait se brancher en HDMI et avoir un utilitaire de capture. Ce que je fais par exemple avec la GoPro, qui est là, mais qui coûte très cher. Et du coup, l'avantage d'avoir ce genre de choses-là, c'est que en fait, vous utilisez directement un boîtier réflexe, donc un bon boîtier, mais surtout vous utilisez une bonne optique. Vous utilisez une vraie optique, pas une optique intégrée dans une webcam. Ça veut dire que vous pouvez avoir des choses comme ça, voilà. Avoir des choses beaucoup plus sympas en termes de réglage, une image beaucoup plus sympa, et puis là ce que vous voyez effectivement c'est beaucoup plus sympa que si jamais je remets ma webcam, et j'ai dit beaucoup trop de fois sympa, hop voilà, ça c'est la webcam, ça c'est le 80. Donc si ça vous intéresse, je vous mets hop, le petit lien. Salut Bobico, la profondeur de champ est bien meilleure. Alors là je suis sur un 1835. Tout à l'heure, Alex, qui n'est pas encore arrivé, a fait sur le Discord de la coupe plein de tests, parce que Alex est réparateur de boîtiers Canon, et du coup, il a fait plein de tests avec plein de boîtiers Canon et plein d'objectifs, et c'était vraiment chouette de pouvoir voir un peu les différents trucs. Là, moi, j'ai pris mon 1835, je sais pas si j'aime bien en fait là, donc je pense que je resterai là-dessus, mais bien évidemment, vous pouvez choisir ce que vous voulez, donc je vous mets le lien. Pour ceux qui ont des boîtiers Canon, alors il y a une liste hein, en dessous des boîtiers qui sont supportés officiellement, sachant que les deux boîtiers que j'ai, c'est des 80D et 550. Le 80D passe et est dans la liste, le 550 n'est pas dans la liste, mais pour autant ça passe. Ça reste une bêta.
Je ne sais pas ce que ça va donner, peut-être que ça va planter pendant le live, on verra bien. Et puis du coup, il doit y avoir un peu de lag, enfin, il va y avoir des choses, à mon avis, qui vont s'améliorer dans le temps. En tout cas, pour l'instant, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les gens comme moi qui ont des boîtiers et qui peuvent essayer de streamer avec ça. Voilà, donc je passe pas plus de temps là-dessus, allez voir, c'est sympa, et surtout si vous avez déjà un peu de matos. Bonjour monsieur, avec un très beau sourire. Et donc du coup, maintenant, deuxième sujet, on va passer bah, du coup au live de la semaine dernière. Donc la semaine dernière, on a fait un live sur les actionnaires. J'avais dit que on ferait un ascenseur. On était parti sur une idée de Alf sur un ascenseur en biel. J'avais un peu galéré parce que honnêtement, j'étais pas parti là-dessus. J'avais pas l'esprit vraiment clair sur ce que je voulais faire et surtout pas ça. Et du coup, c'était un petit peu compliqué. Mais on l'a testé quand même. J'ai essayé d'avancer dessus et finalement, j'ai repris mon idée d'ascenseur avec une poulie courroie et j'ai fait un proto aussi avec ascenseur et poulie courroie. Et ben en fait c'est ce que je vais vous montrer tout de suite si vous ne l'avez pas vu sur mon compte Twitter déjà. Attendez, tu peux faire un flou derrière toi sans utiliser un filtre logiciel dégueu genre Teams. Ah oui. Oui, effectivement, là le flou est naturel. Voilà, c'est pas généré. Et ça pour le coup c'est vrai que c'est beaucoup plus propre en termes de. Par contre, le problème c'est que là je dois être à peu près net. Et comme sur mon boîtier, j'ai pas, il va pas y avoir d'autofocus hors, je sais plus comment on appelle ça, mais hors du temps que je filme. Ben quand je vais passer ici, là je serai flou. Bon, voilà. Donc il faut que, voilà, y aura des choses comme ça qui vont peut-être s'améliorer au fur et à mesure du temps. Néanmoins, c'est plutôt cool. Alors, du coup, bah, en fait, j'ai redesigné toute la partie de l'ascenseur pour arriver, du coup, sur finalement bah, un ascenseur à base de poulie courroie. Voilà, donc avec un servomoteur en rotation continue ici, un potentiomètre 10 tours ici en prise directe avec le palier, la courroie qui n'est pas modélisée ici qui passe voilà, dans ce sens-là et qui me permet en fait de faire bouger le bras que j'avais déjà. En fait, du coup, c'est plutôt cool. C'est une net partout, mais il faudra peut-être plus de la. J'ai pas. Ouais, alors c'est ça le problème, c'est que j'ai essayé et j'ai pas suffisamment de lumière en fait. Donc du coup, voilà, ça c'est un peu l'optimal que j'ai réussi à faire juste avant le live. Il n'est pas dit que je rajoute des loupiottes quelque part pour avoir un truc un peu plus sympa. Bon, voilà, il faut encore que je teste, j'ai pas beaucoup testé. Mais ouais, c'est un peu l'idée de pouvoir maintenant jouer avec la lumière, quoi, avec une vraie caméra. Du coup, voilà mon ascenseur tel que je l'ai fait et tel qu'il est du coup maintenant installé sur un des robots. Ce qu'on peut voir du coup sur la vidéo que j'avais voilà présentée sur Twitter. Je vais juste couper le son. Wouhou. Voilà. Et donc ce qui est cool, c'est que effectivement ça fonctionne bien. Ça fonctionne très rapidement. Comme c'est du potentiomètre, c'est juste une lecture analogique. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec est-ce que de l'encodage, etc. Machin, avec un truc très compliqué. Finalement, c'est une boucle assez simple de rétroaction. Et c'est assez précis et assez rapide pour notre usage. Donc je pense je vais rester là-dessus. Je vais faire encore des essais. Je vais peut-être améliorer le principe. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on reste un petit peu sur ce principe-là. Voilà. Deuxième sujet, alors à moins qu'il y ait des questions sur l'ascenseur, après je pourrais y répondre aussi pendant le live, il n'y a pas de souci, pas pendant la suite du live. Donc s'il n'y a pas de questions, moi je peux passer au point suivant. T'es good pour vous? Allez-y, du coup on passe au point suivant qui est en fait, voilà, vous voyez le robot faire des allers-retours. Et alors qu'est-ce qui se passe? C'est que, eh ben, écoutez, on a eu une discussion avec Augustin de Robot Télécom, Strasbourg, et qui m'a conseillé une librairie qui s'appelle Teensy Step et qui est disponible uniquement pour les Teensy. Microcontrôleur Teensy, donc qu'on utilise nous dans nos robots. Donc toute la série des 3.2, 1, 2, 1, 2, 4, non, attendez, 1, 2, 5, 6. Et l'avantage, c'est qu'en fait, elle fait du code donc non bloquant. L'idée, c'est qu'elle aille beaucoup plus vite, qu'elle soit beaucoup plus propre que celle qu'on utilisait déjà, qui est Axel Stepper. Et on l'a testé, et effectivement, c'est assez fou. C'est très très simple à utiliser. Il y a une possibilité d'aller beaucoup plus vite
en fait sur notre robot qu'on pouvait le faire déjà. Enfin, actuellement, on est déjà relativement vite, mais on peut aller vraiment beaucoup plus vite que ce qu'on faisait avant, sans perdre de pas. En tout cas, des tests qu'on a fait, c'était vraiment propre et sans décalage. C'est-à-dire qu'en fait, le problème qu'on avait avec Axel Stepper, c'était quand on lançait le robot, il y avait un moment où en fait, il y avait une roue qui partait un petit peu avant l'autre. C'était pas grand-chose, c'était léger. Ce qui fait que on avait un chemin qui faisait plutôt ça. Voilà, plutôt qu'une belle ligne droite. C'était pas synchrone. Du coup, le souci, c'est que quand on faisait ce genre d'aller-retour, et ben du coup, le robot, lui, il se décalait latéralement, à gauche ou à droite. Et ben là, en fait, avec cette librairie-là, on n'a plus du tout de décalage. Et c'est assez incroyable. Du coup, moi, je vais vous laisser l'adresse de la librairie dans le chat. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour si jamais vous avez des Teensy. Donc là, voilà, il y a plusieurs vidéos du gars qui montre un petit peu comment ça fonctionne et les possibilités de cette librairie. Alors là, on va remontrer un petit peu de synchronisme. Les vidéos démos sont dingues. Ouais. Alors là, par exemple, c'est une des vidéos démos. Je vais, pendant qu'on regarde ça, aller chercher la deuxième qui est beaucoup plus folle que ça. Voilà, donc là, il va accélérer, il va monter à 160 000 steps par seconde, ce qui est juste complètement cinglé. Et vous allez voir qu'à l'arrêt, en fait, les deux moteurs vont être complètement synchronisés, ils vont pas se rentrer dedans. Et ça, c'est quand même assez fou, au final, parce que généralement, on a plutôt des blocages à ce niveau-là. Voilà. Du coup, synchronisme parfait en fait sur les moteurs. Et la deuxième vidéo qui est assez fofolle, et alors celle-là, je vais vous la mettre dans le chat également. Voilà. Alors là, vous avez, je vais mettre en grand, vous avez un moteur qui fait tourner un plateau avec des points, un deuxième moteur qui fait tourner une bride avec deux pignons. Et un autre moteur qui va faire bouger linéairement le moteur central. Donc il va vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc voilà, il peut tourner, rentrer, etc. Et donc vous avez compris, le principe c'est qu'il va accélérer le premier moteur et du coup il va pouvoir bouger de manière synchrone le second moteur et rentrer dedans. Voilà, et ça c'est quand même assez fou en fait. Donc la librairie, elle est suffisamment bien écrite pour pouvoir réaliser ce genre de mouvement-là, quoi. Je veux dire, c'est juste assez balèze, quoi. Et on l'a testé. Et honnêtement, la première fois qu'on l'a démarré, les moteurs, ils ont jamais été aussi vite. Ouais. Donc c'est vraiment une super bonne trouvaille. Maintenant, il faut qu'on la teste de manière beaucoup plus forte que ce qu'on a fait jusque maintenant pour voir si ça fonctionne effectivement bien et si c'est suffisamment bon pour nous. Stop. Néanmoins, les premiers essais, ils sont vachement prometteurs. Le seul truc qu'on a vu, c'était que les drivers à vitesse identique à celle d'Axel Stepper chauffaient un petit peu plus. Voilà, c'est le truc qu'on a un petit peu que j'ai détecté, mais sinon, à part ça, voilà, globalement, ça fonctionne plutôt bien. Donc, allez faire un tour, c'est assez foufou. Et ouais, je vais mettre le GitHub, tant qu'à faire. Allez, zoom. Est-ce que je me suis pas trompé? Si, je me suis trompé. J'ai mis un C à la fin. Ok, du coup, maintenant que tout ça est dit, écoutez, s'il n'y a pas de questions là-dessus, moi je vous laisse avec le lien du Discord et puis on va continuer. On va commencer en fait le live sur du coup ce qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir le support balise et donc le mat balise, le mat détection d'adversaire. Donc pour ceux qui ne sont pas encore, je vous mets le lien du Discord de la chaîne pour discuter en before, en after et aussi pendant le reste de la semaine sur vos projets. Et puis, on va se lancer dans la conception du mât. Go! Alors attendez, parce que j'ai. Voilà. C'est sur le bureau. J'ai un chat qui fait n'importe quoi. Je me demande s'il va falloir que j'aille le chercher ou pas. On verra bien. Go jingle. Ah, j'ai pas de jingle pour faire ça. Désolé, désolé les amis. Le barba jingle n'est pas là. Pas encore, pas encore. Tout ça, on va le. Alors oui, voilà, Robot Télécom, suivez le tuteur de Robot Télécom. Merci encore à Augustin. Et on va partir sur la partie Mat Balise. Alors, il y a un truc que j'ai pas été chercher. Je vais essayer de vous le retrouver.
c'est que j'ai essayé de vous en parler en même temps pour que ce soit cohérent. Changer de compte. Alors, le souci qu'on a aujourd'hui avec notre robot, c'est que. Barbe générique. C'est que si on va à la vitesse maximum que ce qu'on pouvait faire avec Axel Stepper, notre détection en fait ne va pas assez vite l'adversaire et donc du coup on rentre dans l'adversaire, ce qui est un problème. En fait, on le détecte, mais on réagit pas suffisamment vite pour s'arrêter et puis après pour pouvoir reculer et faire autre chose. Du coup, comme c'est un, alors je sais pas si j'ai, j'ai avoir du mal à vous retrouver cette vidéo où on rentre dans l'adversaire, mais bon bref. Voilà, on avait fait des essais sur notre table et donc du coup le robot venait se coller contre le robot adverse et après venait reculer. Donc ça va pas et donc du coup on avait bridé un petit peu la vitesse. Alors, fab. Alors attendez, ah, je vais vous le retrouver comme ça. Je sais comment je vais le retrouver. Je vais le retrouver sur mon lien vers la Fab Academy. Yes, nickel, j'ai la vidéo qui est là. Je vais Hi. couper la musique. Nickel, alors. Est-ce que je peux retrouver la vitesse? Alors, ça, c'était le C. Voilà, alors là, voilà. Ça, c'est une vitesse qui fonctionne bien chez nous et on arrive à détecter. Donc, c'est le principe avec la balise. Par contre, si on va un peu trop vite, voilà, on le pousse, mais on le détecte. C'est-à-dire qu'on va reculer à l'endroit où on l'a détecté. Sauf que, eh ben, on va bien trop vite en fait et donc du coup notre système fonctionne pas suffisamment vite pour pouvoir détecter l'adversaire. Ce que j'avais fait l'année dernière, c'est que j'avais réimaginé en fait le système de ma balise avec le mât qui s'affiche à l'écran, mât que j'ai en proto ici aussi, on va en parler, sauf que pareil, ce truc-là ne fonctionnait pas. Donc j'avais mis un peu de côté. Et au début de l'année, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment déjà, on avait designé ce mât de balise-là, qui était un mât tout simple, avec juste un servomoteur qui faisait bouger les capteurs comme ça. Truc qu'en fait, on faisait déjà l'année dernière et qu'on faisait déjà les années précédentes parce que, voilà, finalement, on n'allait pas si vite que ça et c'était pas trop grave. Voilà. Sauf que maintenant, avec la nouvelle librairie, comme on est en capacité d'aller beaucoup plus vite, sans glissement, sans perte de pas, etc., c'est con d'être limité dans la vitesse de notre match à cause de notre détection d'adversaire. Donc, il va falloir qu'on améliore ça. Alors, l'idée que j'ai en tête et que j'ai testé vite fait, c'est de reprendre un peu ce principe-là de balise, mat de balise, avec. Alors, je retrouve dans mes dans tous mes liens. Voilà. Avec une balise tournante à 360 degrés. Et c'est ce que j'ai testé cette semaine, à savoir un petit moteur, un engrenage, on entraîne en rotation notre capteur. Et on le fait tourner suffisamment vite pour qu'il balaye toute la zone. En gros, on refait un lidar un peu cheapos, mais on refait, voilà, on essaye de refaire un petit lidar pour pas trop cher et de manière assez simple. Donc l'idée globale, c'est de retravailler ce prototype-là et d'aller un tout petit peu plus loin. Alors, attendez, j'ai Discord qui me saoule. On va le couper. On va le quitter complètement. Voilà. Donc, l'idée aujourd'hui, ça va être ça. Ça va être de travailler sur ce proto de mat de balise. Alors, comme on fait les choses bien, hop, le proto de mat de balise, j'avais fait quelque chose voilà, comme ça. Alors, il est ici. Je vais mettre l'atelier et on va regarder ça. Voilà. Donc, bouger. Alors, ce que je voulais tester, c'est deux choses. C'était surtout la puissance des moteurs que j'avais choisi et le principe d'engrenage et de balourd en fait, parce que j'avais pas envie que ça bouge dans tous les sens. Donc, juste pour reparler de ce proto-là, l'idée que j'avais au tout début et que j'avais essayé l'année dernière, c'était de mettre un miroir, le capteur fixe, de faire tourner l'ensemble de ce système-là, voilà, en rotation,
et de détecter les petits aimants qui sont là pour détecter la vitesse, et après de coupler ça à du positionnement. Donc le principe de détection à base d'un capteur EFEOL avec un aimant, ça marche, ça c'est plutôt bien. Le souci, c'était que, comme ce que j'avais expliqué lors d'un live, mon capteur ici a pas un cône de détection, régulier. Ce qui fait que quand le miroir tourne, plutôt que d'avoir un point qui bouge, j'ai plutôt une ligne qui fait ça en fait. Voilà. Et donc du coup, la distance que je repère en fonction de l'orientation du capteur est pas la même selon l'orientation. Et ça, le souci, c'est que ça me pète tout mon système. Et que du coup, ça ne me permet pas de détecter quelque chose de manière relativement fiable. Donc en fait, la conclusion à partir de ça, c'était que soit ce capteur-là n'était pas le bon, ce qui est dommage parce qu'en fait, il fonctionne bien, soit en fait, c'est pas le miroir qu'il faut faire tourner, mais c'est bel et bien rester sur une rotation du capteur. King, tu mets qu'un capteur. Non, je pense que je vais en mettre deux, en l'occurrence. Sur ce principe-là, du coup, où j'ai mon capteur qui tourne ici, je vais le dévisser. J'ai un moteur ici pour qui est branché directement sur ce petit pignon et qui vient entraîner le plateau qui est là, qui est monté sur un roulement. J'ai un comment ça s'appelle un connecteur rotatif, voilà, un connecteur rotatif qui est en dessous et qui me permet de pas emmêler mes câbles à cet endroit-là. Donc voilà, le principe basiquement, c'est ça. Et vous avez vu dans la vidéo, je peux vous le remontrer là. Ce que je voulais vérifier surtout, c'était que déjà j'atteigne la bonne vitesse, mais aussi que j'ai suffisamment de couple pour pouvoir faire tourner tout ça. Correctement avec un moteur N20. Alors les moteurs N20, j'en ai déjà parlé dans ces lives là, mais je vais en reparler. Ici, c'est ces tout petits moteurs que vous avez déjà dû voir quand vous cherchez des petits moteurs, qui sont des moteurs qui sont étonnamment puissants pour leur taille. Honnêtement, hein, je m'attendais pas du tout à ça. C'est ceux que j'utilise dans mes petits robots de combat. Là, j'ai un 100 RPM et là, j'ai des 1000 RPM. Donc 100 RPM, c'est un peu lent. Vous allez voir, je vais le brancher. Et voilà, l'idée que j'avais, c'était de passer sur du 1000 RPM avec une réduction de 2 environ, voilà, à 6 volts. Voilà. Je sais pas si vous voyez, mais ça tourne pas suffisamment vite. Moi, je voulais avoir quelque chose qui tourne environ à 10 tours seconde. Voilà. Plus ou moins. Voilà, on est carrément pas dedans. En fait. Voilà. Du coup, avec mon petit système là, le petit proto que j'ai fait. Voilà, de toute façon, vous l'avez vu sur la vidéo, ça sera beau, la vidéo est même beaucoup plus parlante, mais ça fonctionne. Et l'avantage, c'est que voilà, il n'y a pas de démarrage, je démarre directement à 6 volts, ça consomme très peu. On est sur du 60 milliampères. Il y a quand même un peu de force, quoi. Je veux dire, c'est pas juste. Donc, sur le principe, ça fonctionne relativement bien et c'est une bonne base pour justement tester continuer en fait à expérimenter avec ce système-là. Donc, on me demandait sur le nombre de capteurs. J'en ai mis qu'un, mais c'était un peu pour tester le balourd. Mon connecteur rotatif est un connecteur à 6 conducteurs. Donc, je peux facilement... Oups. Voilà. Donc, je peux facilement mettre 2 capteurs dessus. C'est vraiment pas un souci. Voilà. Mais ça, c'était vraiment pour essayer de prototyper ça très rapidement. L'avantage des N20, c'est que ça coûte rien. Voilà, ça coûte quelques euros. Ça consomme pas grand-chose. C'est quelque chose qu'on a pas mal. Et du coup, il y avait une autre question de Grumonton, c'était quoi comme capteur? Alors ces capteurs-là, ce sont des OPB 720. Je sais jamais lequel modèle j'ai. Ça fait toujours un drame chez moi. Hop, je vais l'enlever. Ouais, c'est fixé à l'arrache avec des vis à plastique. Alors celui-là c'est un OPB 720B, donc c'est le modèle qui fonctionne en 5 volts, enfin en tout cas qui peut fonctionner en 5 volts, 12Z, voilà, OPB 720B, 12Z. Voilà, l'avantage c'est que c'est du tout ou rien, c'est très simple à mettre en place et ça repère des balises réflectives. Voilà. Donc mon idée en fait c'est un peu de ça, de faire une fusion de ces trois concepts-là.
À savoir, oula, le noir il passe pas tellement bien. À savoir, deux capteurs rotatifs à 360 degrés avec un moteur continu et avec l'aimant pour capter la vitesse et la position. Voilà. Et essayer de d'avoir une seule et même version de tous ces trucs-là, de toutes ces idées. Voilà dans quoi je vais commencer à me lancer ce soir. Ça, vraiment pas fini ce soir, parce que là on est vraiment sur des premiers concepts. Mais il y a pas mal de choses que j'ai déjà testées dessus, et donc du coup il y a des choses qui sont déjà validées un petit peu. Et bien évidemment, le concept là, on va le tester avec. Moi je vais le faire avec des OPB, mais si vous voulez reprendre les fichiers et le tester avec d'autres capteurs, ben voilà, soyez libre de le faire, puisque de toute façon, vous prenez un connecteur rotatif lambda, vous adaptez la bride du capteur, et puis vous faites ce que vous voulez, quoi. Après, c'est juste le principe qui va rester le même, quoi. Honnêtement. Ah oui, non. Je sais pas, mais j'ai des capteurs SICK, sinon que j'aimerais bien pouvoir essayer là-dessus. Ils sont un peu plus grands et un peu plus lourds que ceux-là. Mais bon. Voilà, messieurs, dames, sur quoi on va se lancer aujourd'hui. Trouver sur Digi-Key. Parfait, merci pour la ref. Bah, je t'en prie, je t'en prie. C'est bien celui-là. Alors attention, celui-là, c'est le 06Z. Je vais vous montrer mon bureau. C'est le 06Z. Moi, c'est le 12. Oui, allô, c'est le 12. En fait, il y a plusieurs versions de ce capteur-là. Tu as les 06, les 12 et les 30. Oula, que s'est-il passé? On va zoomer un petit peu. Ouais. La différence, ça va être la distance de détection. Voilà. Et pour le 30, ça va être la techno, parce que sur les 30, on passe en laser classe 1. Voilà. L'autre chose qui va changer, c'est la version A ou B. Et alors, de mémoire, la version A, c'est du 10 à 30 volts. Ouais, c'est ça. Les A série sont de 10 à 30 volts et les B de 4 à 7 volts. Donc à vous de faire votre propre choix en fait par rapport à ça. Et effectivement, vous allez pouvoir le retrouver chez Mouser. Alors faites attention parce que je crois que. Est-ce que c'était chez Digi-Key ou chez Mouser qu'ils le mettent en discontinued? A priori non, c'est plus le cas. Il y a eu à un moment où en fait les trucs étaient marqués comme obsolètes. Ce qui est très bizarre parce que Optek continue à le fabriquer, mais bon. Vous ne craignez pas d'avoir de la torsion dans les câbles avec la rotation du mât? Mais en fait là j'ai un connecteur rotatif. Donc j'ai le connecteur tourne en fait. Donc ça va ça évite justement la torsion du câble. Si c'est ça la question. Je ne sais pas si c'est ça la question. Parce que finalement, tu vois là, ici, là, le câble qui sort là, c'est le câble de ce connecteur-là. Et du coup, ça tourne en fait. C'est fait pour ça en fait, justement. Le connecteur rotatif va servir à ça. Je vais même le démonter si tu veux, pour te montrer comment ça fonctionne. De toute façon, il va falloir que je le démonte parce qu'il faut que je refasse une version. La version que j'ai dans Fusion n'est pas la bonne, donc il faut que je le redesigne. Ouais, parce que du coup, sinon, effectivement, c'est un problème ça. Si jamais tu fais tourner sans ça, bah t'as tes câbles qui partent dans tous les sens. Hop, voilà. Donc, si je le retire, ah, en fait, cette partie-là reste fixe et cette partie-là tourne. Ce qui fait que. Voilà. Et donc ça, des connecteurs rotatifs comme ça, il en existe de plein de types, avec des collerettes, sans collerettes, lisses, avec plus ou moins de câbles. Donc celle-là, c'est la version avec 6 câbles, il y en a avec 3 câbles, 4 câbles, 12 câbles. Voilà, si on tape connecteur rotatif, on va en trouver plein. Et d'ailleurs, ça sera aussi une question, c'est est-ce que je garde ce type-là de connecteur, ou est-ce que je change
de version si jamais j'ai pas suffisamment de place, quoi. Donc il existe, moi ça j'en ai des versions un peu moins cheap que celle-là. Ça, je les avais trouvés chez AliExpress pour tester. Et finalement, ça marche bien. Par contre, faut pas aller trop vite. Mais tu vois, il y en existe de plein de types différents. Voilà, avec des collerettes plus ou moins grandes, avec des corps plus ou moins grands aussi, avec du câble et donc du coup une puissance que tu peux faire passer qui est aussi plus ou moins importante. Donc ça dépend vraiment de votre problématique, quoi. Si tu prends par exemple cela, clairement, je regarde vite fait, hein, vu la section du câble, bon, c'est chez Alibaba, mais vu la section du câble, je suppose que c'est fait pour des puissances beaucoup plus importantes que ce que j'ai là, quoi. Et c'est vraiment, vraiment assez cool comme truc. Par contre, faites attention. Je sais plus qui m'a dit ça. Je sais plus si c'est OhMyBot. Non, attendez. Il y a un petit moment que j'avais lu ça sur le forum de Planète Science. Mais en gros, si vous prenez ceux que j'ai là, donc ceux de chez AliExpress, là, les trucs pas trop chers, et que vous les faites tourner très rapidement, et que vous faites passer autre chose que du tout ou rien, mettons de la com, bah, une liaison série ou une liaison I2C ou n'importe quoi, il va y avoir des perturbations. Voilà. Donc ça, c'est à tester. Et si vous voulez pas ce genre de perturbations, il faut peut-être passer sur des connecteurs un peu plus chers. C'est pas donné, hein, les vrais connecteurs rotatifs, qui fonctionnent correctement. Voilà, on est quand même sur du 25 balles pour un connecteur, mais ça vaut le coup, quoi. Des fois, il n'y a pas le choix, ça peut être intéressant d'avoir ce genre de truc-là. Donc je vous disais, voilà, il y a ceux-là avec collerette, et sinon, moi j'avais déjà testé ceux-là sans collerette, qui prennent un peu moins de place, mais du coup il faut se démerder pour pouvoir le fixer. Voilà. Clairement, pour moi, mon usage, ce que je veux faire, ça me suffira, je vais me démerder, quoi. Je vais me démerder. Je me demande même si au niveau de la conception, il va pas falloir que je... Parce que... Ouais, je vais peut-être faire quelque chose d'un peu paramétrique sur le diamètre extérieur et le diamètre des trous de perçage. Comme ça, si jamais je dois changer de type de connecteur, j'ai pas tout à reconcevoir. Ça sera peut-être une bonne idée, ça. Voilà, typiquement par exemple là, vu la section du câble, je pense que vous avez quelque chose qui est beaucoup plus puissant. Il faut regarder la fréquence de rotation, etc. C'est quand même des connecteurs qui sont assez intéressants. Voilà, du coup, le proto que j'ai fait, voilà, il ressemble un peu à ça. Donc l'idée, c'est que j'ai mon N20 qui est ici, monté sur deux petites pièces imprimées en 3D, qui me permettent d'ajuster la pression de la roue dentée. En fait, me permettent deux choses. D'ajuster la pression de la roue dentée, enfin, des deux pignons, quoi, en gros. Et surtout, de pouvoir monter, en fait, le moteur. Pouvoir l'encastrer sur le côté et de pouvoir après l'insérer correctement. Donc ça, c'est un truc que je vais garder, mais je vais peut-être pas garder l'oblong complètement. Je vais peut-être l'ouvrir pour pouvoir glisser le moteur sur le côté et garder les deux trous oblongs pour la fixation uniquement parce que ce plateau-là, il va devenir plus grand. Et donc sinon, je risque d'avoir un problème pour pouvoir faire le montage. Alors, défaut, j'ai une question bête. Est-ce que 360 degrés, c'est vraiment nécessaire? C'est-à-dire 360 degrés, bah non, en fait, si tu veux, ça suffit en fait. Ce que je faisais là avec un angle d'environ, je sais plus à combien on était, mais t'es genre à 100 degrés, 110 degrés de déport, c'était pas trop mal, ça marchait. Le souci, c'est qu'en fait, quand tu passes ici et que tu reviens dans l'autre sens, déjà tu perds du temps. Voilà. Et un autre problème qu'on avait, c'était qu'avec cette technique-là, je peux détecter où est l'orientation en fait de mon adversaire, mais comme mon capteur est tout ou rien, je ne peux pas détecter la distance. Pourquoi je ne peux pas faire ça? Parce que le principe pour détecter la distance avec ce genre par exemple avec ce genre de truc-là, c'est de dire, hop, je vais prendre ça, c'est de dire si mon objet est loin, je vais balayer moins longtemps sur la balise. Et donc le temps que je vais mesurer ici, il sera moins important que si ma balise est proche de moi. Voilà. Et donc on peut estimer comme ça,
base de Trigo, la distance. En tout cas, on va dire que c'est plus ou moins loin. Ça, c'est le principe. Le souci, c'est que si jamais tu le fais avec ça, tant que ta balise, elle est en face de toi, bah ça marche. Mais si ta balise, elle est sur le côté, eh ben en fait, ton capteur, il va prendre deux fois ta balise. Et du coup, ta mesure, elle est faussée. Et donc, du coup, je ne peux pas aller plus loin que juste dire, c'est à cet angle-là, et c'est quelque part. Voilà, avec ce truc-là, et de manière très lente. Donc, si je veux accélérer, il faudrait que j'accélère mon moteur, mais toujours en faisant ça. Et donc, du coup, bah, j'ai toujours pas ma mesure en distance. Et du coup, bah, je suis obligé de passer sur du 360, de faire tourner ça très vite, et du coup, de pas avoir de glissement comme ça sur les bords latéraux quand je vais pas avoir de retour, quoi, en fait. Je pourrais faire mes mesures. Donc, en soi, c'est pas vraiment nécessaire pour un début. Mais comme là, on veut passer un step au-dessus, il va y avoir un truc à faire, quoi. Roger Chine, la détection, c'est pas obligatoire uniquement dans le sens de la marche du robot. Bah si, mais dis-toi que si je suis comme ça, avec un capteur infrarouge ou laser, c'est une ligne, ma détection. Enfin, c'est une ligne, c'est un cône, mais pas très très large. Donc, ça veut dire que mon robot, il a une largeur particulière. Donc, je ne sais pas ce qui se passe sur les côtés. Donc, je suis obligé de balayer un petit peu, en fait, ou d'avoir des capteurs un peu sur les côtés. Ça, c'est la première chose. Ensuite, le robot, il avance, mais il recule aussi. Donc, je suis obligé de regarder en avant et en arrière. Et l'autre chose aussi, c'est que dans une logique où plus tard, tu voudrais, par exemple, faire un peu d'évitement en avance d'un robot adversaire, t'es quand même censé savoir si le robot est en train d'arriver sur ta gauche ou ta droite, d'ailleurs sur un côté, alors que toi t'es en train d'avancer dessus, et donc du coup, de se dire, ah attends, il est à cet endroit-là, mais il avance pas, donc je peux passer, ou il est à cet endroit-là et il est en train d'avancer, et donc dans ce cas-là, autant de m'arrêter tout de suite et pas de avancer tout de suite, et de générer un autre chemin quelque part. En fait, donc oui, en soi, t'es quand même obligé de le faire. Et alors ça, c'est la première solution, enfin, la première raison. Et la deuxième raison, c'est que quand on fait l'homologation dynamique, les arbitres, honnêtement, ils s'en foutent que le robot adverse ait un mouvement logique. C'est-à-dire qu'ils prennent le robot adverse. Et enfin le fake robot adverse, donc c'est un robot en bois, et par exemple, ils vont te le mettre en face de ton nez, mais ils vont te le mettre sur le côté, ils vont te le mettre de l'autre côté, ils vont le faire se téléporter à certains endroits. Ben voilà, l'idée, c'est de tester l'évitement. Donc en fait, si on est dans une logique où il faut que ce soit homologable, bah, faut regarder le plus possible et le plus possible partout, en fait. Même si, honnêtement, en cas de match, c'est très rare qu'on ait eu un robot qui nous soit arrivé sur le côté et qu'on n'ait pas réussi à l'éviter. Maintenant, pour faire les matchs, il faut l'homologation. L'homologation est des fois un petit peu plus stricte que ce que tu vas avoir en match. C'est le jeu, et donc du coup, il faut qu'on soit prêt à ça aussi. D'accord, mais alors pourquoi ne pas rester sur la balise adverse tout le temps? Ah oui, et la piquer, et puis après bouger, faire ça par exemple, et la suivre. Bah, parce qu'en fait, il y a deux robots sur le terrain, et donc du coup, ça veut dire que si tu restes sur un robot particulier, tu peux louper un deuxième robot qui pourrait arriver de l'autre côté. Donc tu peux pas rester sur une balise adverse vu que tu as deux balises qui bougent dans tous les sens. Mieux vaut être prévoyant. Bah oui, alors surtout sur l'homologation, tu vois, c'est con de pas jouer parce que à cause de ça. Et on s'est fait avoir, hein, les deux dernières années, le système de détection il était pas foufou, et les seules raisons pour lesquelles on n'a pas réussi à s'homologuer tout de suite, c'est à cause de fail sur la détection, en fait. Donc c'est un vrai sujet. Et ça n'a jamais remis en cause, par exemple, notre capteur ou notre fonctionnalité, c'était à chaque fois des réglages, mais c'est le seul truc qui nous limite un petit peu aujourd'hui, donc autant bosser dessus, voilà, et puis avoir quelque chose d'un peu plus fiable. Tu peux avoir deux étages pour la détection pour chaque robot. Alors ça va être compliqué parce que dans le règlement, tu as le droit qu'à une bande de 2 cm d'ouverture sur tout le tour de ton mode balise, donc ça va être compliqué de faire ça. La détection est importante lorsqu'un robot roule vite, il faut prévoir si un robot adverse se rend dans la même direction. Et voilà, et du coup, nous, comme on prévoit de monter un tout petit peu la vitesse, puisqu'on va pouvoir le faire de manière stable et fiable, et ben en fait, le seul truc qui nous limite, c'est ça. Du coup, si on veut aller plus vite, et ben, il va falloir changer la techno. Je dis pas que cette solution,
Ça va être la solution miracle, j'en sais rien, il va falloir qu'on essaye. Mais en tout cas, elle promet une détection plus rapide quand même que la détection qu'on avait à base de servomoteur. Donc voilà le contexte et l'idée. Il peut commuter à quelle fréquence le capteur? Alors figure-toi que j'ai pas trouvé l'info. Je sais que Alex m'a posé, l'autre Alex m'a posé cette question-là. Et je t'avoue que je n'ai pas trouvé dans le. Je l'ai cherché juste avant le live et je n'ai pas trouvé cette info. Comme c'est du tout ou rien, que tu as juste une LED émettrice, une LED réceptrice, je suppose que il n'y a pas de notion de commutation, c'est pas numérique en fait, c'est purement analogique. Donc ça va relativement vite, mais tu vois, j'ai pas l'info quoi. Alors si vous la trouvez dans une autre datasheet, moi je suis preneur. Mais il n'y a pas de notion de fréquence ou voilà, ils vont vous donner à quel voltage ça va répondre en fonction de la distance et du type de papier que vous utilisez, mais il n'y a pas de notion de fréquence en fait. Et ça, c'est un petit peu problématique parce que du coup, je ne sais pas ce que ça va donner quand je vais faire tourner rapidement. Et c'est peut-être ça qui va me faire changer de type de capteur en fait. Peut-être que je vais me rendre compte qu'en fait ce capteur-là peut plus fonctionner. Donc dans ce cas-là, il faut que je change de capteur. Mais c'est pas grave, le système de base fonctionne encore. Dans cette nouvelle version, tu n'as pas plus l'info de l'angle pour le moment que ce que tu as vraiment. Tu vas ajouter un capteur d'angle pour ta potentiomètre. Alors l'idée au début c'était de mettre un potentiomètre sans butée. Mais mécaniquement, ça a alourdi le système et je l'ai déjà fait avec une autre équipe et ça a été très compliqué et finalement le gain n'était pas foufou. Mon idée, c'est de faire comme ce qu'on avait fait là-dessus, à savoir, je vais réouvrir ces beacons. Voilà, vous voyez les points là qui sont là en rose, c'est des aimants. Et si je cache ça, le U1 ici, c'est un capteur FEOL. Donc l'idée en fait, c'est de connaître la vitesse de rotation. Du disque et du coup avec ça en déduire l'angle en fait à chaque fois que ça passe l'angle à laquelle le capteur a détecté quelque chose en fait et d'enregistrer et puis après de traiter les datas. C'est l'idée. Après je sais pas si ça va marcher, si ça sera suffisant. J'ai quand même bon espoir parce que quand même avec ce système là il y a un truc que j'ai pu tester, c'est ça, et ça marchait bien. C'est juste la distance et la forme de la détection qui n'allait pas. Mais en tout cas, l'idée du capteur à FEOL, ça marchait bien. Et je ne sais pas ce que j'ai enlevé à steering. Ok. Et des capteurs ultrasons devant et derrière pour tout ce qui est proche. Alors, on peut cumuler les capteurs. Après, il faut se dire un truc, c'est que par expérience, si tu mets des capteurs à ce niveau-là du robot, en fait. En haut ou en bas, en fait, tu vas pas détecter que les autres robots. Tu vas aussi détecter bah, ton second robot, mais aussi les éléments qui sont autour de ta table. L'avantage de poser un élément sur le mat balise d'un robot, c'est que tu es quasiment sûr qu'à cette hauteur-là, il y a très peu de chances d'avoir autre chose que ça. Et si tu calibres tes capteurs pour qu'ils ne détectent que du réflectif, en fait, il y a encore moins de chances que les capteurs voient un truc à cette hauteur-là, réflectif. Voilà. Le seul truc qui peut arriver, et qui nous est arrivé l'année dernière, c'est que l'équipe en face utilise aussi des balises réflectives, et du coup qu'elle pose ces balises-là sur le robot, sur votre robot secondaire, et donc du coup vous commencez à détecter votre robot secondaire comme un robot adversaire. Donc là il faut faire un peu de traitement pour dire en fait non, à cette position-là c'est pas possible que ce soit un robot adversaire, c'est nous, ça c'est une autre question. Et l'autre problématique qu'on a eue aussi, c'est une équipe qui utilisait des balises réflectives mais sur les bords de la table pour faire une triangulation. Et là c'est beaucoup plus chiant. Parce que même au démarrage du robot, le robot détectait quelque chose. Donc il a fallu tricher un peu, réduire l'angle de détection au démarrage pour pouvoir sortir en fait de la zone de départ et du coup annuler certaines zones de la table, chose qu'on n'avait pas faite du tout avant quoi en fait. Donc voilà, ça c'est les deux défauts de la technique. Or ça, au final, ça marche plutôt pas trop mal. Salut, je passe juste. Ah bah salut, RodelTD. Donc j'ai découvert Solvespèce sur de la CAO, c'est pas trop poussé, mais ça fait le taf pour des petits projets. J'étais parti sur Freecad. Alors, Sol. Écoute, je le duplique. On va peut-être en parler après dans le débrief du live. Je mets la regarde.
Et je regarderai après, si ça te dérange pas. Merci pour le tips, en tout cas. Ça peut être intéressant, effectivement. Je vais penser faire un live où je vais tester d'autres logiciels de SAO ou Fusion, notamment retester FreeCAD, et bien peut-être que je testerai justement SolveSpace. Faut retrouver la règle du transistor de sortie. Ouais, ça serait pas mal ça. Ça serait pas mal, comme ça on pourrait savoir à quelle fréquence on peut commuter. Il faut un seul aimant, non? En avoir plusieurs crée de l'ambiguïté sur l'angle. Alors en fait, là sur mon proto, tu vois, j'en avais mis 4. Et finalement, j'en utilisais que 2. Et mon idée, c'est de orienter le capteur et les aimants pour que je détecte juste avant les mâts qui vont supporter le. Ah, il faudrait que je vous fasse un dessin parce que ça ne veut rien dire. Parce qu'il y a une logique sur le placement des capteurs. Alors, on va bouger ça. Ça va être amusant de combiner Haruko avec ça. Oh! Alors, Haruko, on va pas le faire cette année, je pense. Ça va être vraiment. Enfin, quoi que j'en sais rien. Ça dépend. Si c'est jamais reproduit à 2021, on fera peut-être de l'Haruko. Si jamais c'est pas le cas, ça sera pas pour cette année. Ah ouais! Efficacité. Alors, on va faire des petits dessins. J'aime les petits dessins. Alors, si je prends. En fait, l'idée, c'est de reprendre un petit peu le travail que j'avais fait sur cette balise-là. Hein, donc, savoir une balise, je vais dire n'importe quoi, mais cylindrique. Voilà, avec deux plots et puis le reste au-dessus. Voilà. Et du coup, mon idée, c'est que au niveau du placement des capteurs, alors, voilà, j'ai pas encore beaucoup réfléchi, un peu IPA, IPA baba, je comprends pas la référence, merde, désolé. L'idée en fait, c'est que ces points-là, en fait, ce sont des points que je vais pas, qui vont être compliqués parce que si je les détecte. En fait, je détecte en fait les bords de mon support pour ma balise. Donc, ça veut dire que voilà. Tout ça, grosso merdo, j'ai pas besoin de le détecter si mon robot avance et recule dans ce sens-là. Voilà. Et du coup, comme j'ai pas besoin de le détecter, ce que je me disais, c'est que si jamais mon machin tourne dans ce sens-là, eh ben de mettre finalement les capteurs ici en fait juste avant le poteau, voilà, comme ça, hop, quand il détecte, il sait qu'il a fait un tour et il sait que il est sûr que les temps de prochaine millisecondes, microsecondes, tours, degrés, ce que vous voulez, pareil de l'autre côté, ben, il faut qu'il ignore le signal en fait. Et ce que je me disais, c'est que bah en fait, si je reprends ce truc-là et que je regarde vue du dessus, que je fais un petit chronogramme au-dessus, j'ai. On va essayer de garder le même. J'ai les poteaux qui sont là. J'ai le capteur qui est par exemple ici. Du coup, le principe que j'avais en tête. C'était que de là à là, sur ce temps-là, il mesure, il enregistre les valeurs. Quand il est là, il traite les valeurs. Il ne récupère pas les données, puisque ça sert à rien. Et après, on recommence. Et ainsi de suite. Donc je me sers du temps où je vois, où je détecte que je vais arriver sur le bord pour faire du traitement, regarder ce que je viens de voir, faire mes calculs, renvoyer au microcontrôleur si jamais j'ai vu quelque chose sur la durée de mon tour, et ensuite repartir à ce niveau-là. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça fait sens? Je sais pas, c'est l'idée que j'ai en tout cas en tête. Quand tu parles que tu en as plus que un, tu peux pas savoir
quel aimant est détecté, du coup, je ne sais pas si c'est l'aimant de devant ou de derrière. Bah, c'est pour ça que dans cette optique-là, je pensais plutôt en avoir qu'un seul aimant. Voilà, et ça serait un aimant qui serait. Faut judicieusement le placer et placer le capteur aussi pour que bah, quand le capteur, l'OPB en fait, passe à cet endroit-là, eh ben, je détecte quelque chose. Alors du coup, l'aimant, il peut se situer là, et le capteur FEOL, il peut se situer là. Hein. Voilà. C'est aussi une possibilité. Voilà, c'est une possibilité. C'est juste que il faut que ça ce soit connu, quoi, en fait. Voilà. Voilà, l'idée. C'est pas mieux deux aimants avant Théma? Bah, c'est ce que disait Alex, c'est que tu as une incertitude. Après, tu fais deux fois plus de. Sur un tour, tu fais forcément deux mesures de temps. Et donc du coup, tu es peut-être plus précis, tu renvoies deux fois. J'en sais rien. Je sais pas. Un aimant, deux capteurs pour avant et arrière. Franchement, ça, c'est des considérations où, à mon avis, il faut tester ce qui fonctionne. C'est pour ça que. Je vais revenir ici. C'est pour ça que dans ce proto-là, moi, j'avais mis quatre aimants. Et je les avais mis, voilà, je les avais mis à 90 degrés. Et finalement, j'en avais utilisé que deux. Et c'est pour ça qu'à mon avis, dans le proto que je vais faire pour tester cette technique-là, je vais aussi en mettre 4, mais ça ne veut pas dire que je vais en installer 4. Voilà, je vais. Excusez-moi. Ça ne veut pas dire que je vais en installer 4, à mon avis. Je vais regarder. À 10 Hz, avoir deux capteurs, ça sert un peu à rien. C'est pareil. Tu vois, ça reste un proton, on va essayer. Je vais mettre deux capteurs. Si jamais je vois qu'effectivement c'est trop de data et que ça sert vraiment à rien, autant passer sur un seul capteur. Après, ça veut dire que tu prends devant-derrière en même temps. Donc tu as l'info de où est-ce que tu es devant-derrière, quoi. Je sais pas si ça sert véritablement à rien. Config asymétrique avec 4 emplacements, mais juste 3 aimants. Ah, une config asymétrique avec 3 emplacements. Attends. Avec 4 emplacements. Ah ouais, ok, d'accord. Comme ça, tu sais dans quel cadran tu te situes. Ah, c'est pas con ça. Ça peut être aussi ça. Ça peut être aussi une idée, ouais. Ça peut être aussi une idée. En tout cas, je garde qu'un seul capteur. Ça, c'est sûr, d'un capteur FEOL. Ça peut être une bonne idée. Écoute, moi je suis plutôt ouvert à ce niveau-là. Je vais quand même vous montrer ce que j'avais déjà fait parce que j'ai déjà testé un truc comme ça, mais ça a complètement raté. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, c'était cette année-là. C'est l'absence d'aimant qui te donne l'angle. Ouais, c'est pas con. Algorithmiquement, ça a du sens aussi, ça. Ça a du sens aussi. Je pense qu'il y a plein de manières de le faire, en fait. Je vais me laisser de la liberté pour le comment dire pour choisir au moment où je teste où je ferai mes tests. Et du coup, en termes d'aimant, c'est pareil, là je vais peut-être choisir des trucs que je peux démonter facilement dans mes protos. Parce que j'ai plusieurs aimants là. Alors vous voyez, sur les précédents, j'avais mis des aimants cylindriques que je venais coller. Mais du coup, c'était collé. Là, j'ai des aimants. Alors, j'ai des aimants autocollants, mais c'est pas foufou. J'ai forcément les cylindriques. Ah, j'en ai des plus petits aussi. Voilà, mais surtout, j'ai ces aimants-là. Je vais y arriver. Ça va être intéressant. Ça va pas être traité par le CPU principal ou. Non, ça sera traité par un truc un peu dédié. J'ai ces aimants qui sont des aimants en pot. À visser. Je me demande si je vais pas partir là-dessus avec trois emplacements pour trois vis, avec quatre emplacements avec quatre vis, comme ça je peux les enlever ou les remettre en fonction de ce que j'ai besoin. Et à la limite, je vais même garder les aimants comme ça me permet d'équilibrer et d'éviter du balourd sur le sur la balise. Non, je déconne. J'y ai vraiment pensé en plus à cette histoire de balourd. On verra si c'est vraiment un problème, mais. Ça m'avait fait marrer d'imaginer le ballon parce que ceux qui font de l'aéromodélisme, par exemple, savent qu'il y a des équilibreurs d'hélices et où on vient mettre des petits éléments à certains endroits pour pouvoir équilibrer l'hélice pour éviter les ballons. Bon, bref, ça me fait juste un peu marrer de se dire de mettre un ballon dans un équilibreur.
Ouais, c'était peut-être pas si con que ça, en vrai. Alors, juste, ouais, je voulais vous montrer, c'est qu'en 2018, j'avais déjà fait un essai, un premier essai comme ça, avec cette balise où j'avais bah, exactement le capteur. Un aimant ici, je vais dégager la coque. Une carte qui était fixée ici, voilà, avec un aimant, un capteur FEOL qu'on ne voit pas, qui était là et qui prenait le passage de l'aimant. Et pareil, collecteur rotatif. Et le souci, c'est que j'avais utilisé, pour une raison inconnue, je ne me souviens plus pourquoi j'avais fait ça, j'avais utilisé un aimant. C'était un aimant combien? C'est un aimant 8. Un aimant 8 pour faire la rotation. Et c'est complètement con. Parce que l'aimant 8, il n'y avait pas assez de puissance pour faire tourner tout ce système-là. Et du coup, ça avait loupé. Et donc, du coup, à quelques semaines de la coupe, ce truc-là marchant pas, je suis revenu sur un système très basique à base de servomoteur, tout en découpe laser, servomoteur, et puis c'est tout, quoi. Donc voilà, donc à savoir que j'ai déjà tenté l'expérience, mais qu'à cause du moteur, ça n'a pas marché. Là, c'est pour ça que j'ai testé en premier le moteur, pour être sûr que bah, je sois pas dans le même cas que la dernière fois, quoi, du coup. Bon! Eh ben, écoutez, il va falloir va falloir commencer ça, hein. C'est pas tout, hein, mais il va falloir commencer. Alors, je vais fermer des trucs. Oui, parce que j'avais ouvert toutes les tourelles que j'ai déjà faites. Mais celle-là, c'est de la merde. Celle-là, on va la garder parce qu'elle est bien. Celle-là, on va la fermer, on n'en a pas besoin. Alors, celle-là, c'est celle de l'année dernière. Basiquement la même chose que celle qu'on a faite cette année. Celle-là, c'est celle de cette année. Je vais la garder pour une bonne raison, c'est que je vais peut-être pouvoir réintégrer la carte dans la balise de cette année. De la nouvelle balise, tant qu'à faire, autant la garder, donc je vais garder la carte. Ça, bon, ça j'en ai pas besoin. Et ça, ben ça c'est mon proto, donc on va le garder aussi, tant qu'à faire. Pourquoi en refaire une si t'en as une qui fonctionnait? Ben là, en fait, celle-là, le problème, c'est qu'elle était designée avec. Alors, il y avait plusieurs problèmes sur celle-là. C'est que ça, c'était un collecteur que je ne trouve plus, donc ça veut dire qu'il faudrait que je modifie toute cette partie-là. Je n'avais qu'un seul capteur. J'avais qu'un seul aimant, la réduction est pas la bonne, le moteur est pas le bon, la carte a changé parce qu'avant je faisais ça sur un microcontrôleur qui était extérieur, mais qui maintenant va être intégré dans la balise. Donc en fait la structure de mon robot a complètement évolué en fait depuis. Et un autre truc, c'était qu'à l'époque, ouais, à l'époque, je n'avais. Ah non, j'étais déjà en 100. Ah, j'ai rien dit. Ah bon, autant pour moi. Donc en fait, en termes de dimension, j'étais pas trop mal, au final. Bref. Et pourquoi changer par rapport à ça? Donc c'est ce que je disais au tout début, c'est qu'en fait, je vais trop vite. Mon robot va aller trop vite et je vais rentrer dans les adversaires si je détecte pas suffisamment vite. Donc, on va changer. On a un peu de temps, tant qu'à faire, autant bosser sur un truc. Et je suis assez frustré que ce truc-là ait pas fonctionné. Donc, j'ai quand même envie de m'exorciser par rapport à ça. Et puis, le dernier truc, c'est que bah, c'est plus moi qui fais le code du robot. Donc, j'ai un peu de temps. Donc, autant voilà, l'utiliser à bon escient. Alors, on va repartir là-dessus. Alors, il y avait plusieurs trucs qui allaient, plusieurs trucs qui allaient pas sur ce design. Ce qui allait, c'était toute cette partie-là, les deux pièces orange et bleue, donc les deux pignons. Ça marchait bien. Notamment, là, j'ai utilisé une vis à plastique pour pouvoir coincer le pignon. Ça a fonctionné très très bien. Donc, je vais garder ce principe-là. Un autre truc qui a très bien fonctionné, et alors là je suis très content, c'est ces deux pièces imprimées en 3D qui viennent bloquer le moteur et qui me permettent en fait de faire le réglage ici. Donc toute cette partie-là a fonctionné. Ce qui était un peu plus couillon, pardonnez-moi l'expression, c'est toute cette même merde-là. Je sais pas ce que j'ai voulu faire. Surtout j'ai dû râper un peu parce que voilà, les tailles de pignon n'étaient pas les bonnes et j'avais envie d'aller vite. Et mon voilà, le slip ring que j'avais ici, c'est pas le bon. Donc, il faut. Ouh, ça fait mal aux oreilles, ça. Merci, mon petit Linaou.
Donc, il faut que je commence par recréer mon slip ring parce qu'il est à la base de l'ensemble de ma conception. Et parce que là, si je fais l'analyse, ouais, voilà. En gros, ça c'était celui que j'avais avant que je ne trouve plus. Et maintenant, j'ai un petit truc qui vient monter ici. Et en fait, mon slip ring, si je le montais comme c'est monté là, en fait, il bloquait dans le petit monticule là. Et deuxième problème, hop, voilà, il tape dans le moteur. Donc, c'était ça. Là, on est vraiment sur du premier concept. Ça veut dire j'ai 1 heure. Il faut que je fasse un truc qui fonctionne. Voilà, ça c'est un peu le principe. Maintenant, il faut aller une étape après. Full twist, merci. Full twist. Eh ben, allez, c'est parti. On va se créer notre slip ring. Alors, par contre, ce que j'aimerais bien, c'est retrouver peut-être les plans de ce truc-là. Alors le souci, c'est que celui-là, je l'ai un peu poncé et j'ai plus la référence. Alors, on va aller choper. Ah, il y a une désertion de live. Ça va résoudre mon problème, je trouve pas d'autre. Il me semblait que j'en avais 3-4. J'ai dû les mettre dans un endroit assez mystérieux. Donc, c'est pas grave. Écoutez. Ah, bah, du coup, ils en ont prévu. Barba plus là, Barba revient, Barba Mon Dieu. Mais il est où? Il est Barba pas là. Alors, est-ce que je vais réussir à retrouver, avec le peu d'infos que j'ai. C'est bizarre, je pensais vraiment l'avoir. Alors, là j'ai tout le début, mais pas la fin. J'ai toute la fin, pardon, mais pas le début. Et je suppose que c'est un A. Je crois que c'est rotatif. On va le tenter comme ça. Crois que c'est S4C, mais je suis pas sûr. Sinon après je le... Ouais. Tu sais où tu l'as commandé? Je l'ai commandé il y a très très longtemps. Vraiment pour être honnête, j'en ai aucune idée. Je crois que c'est sur AliExpress, mais tu vois, il y a des trucs... Oh, ou peut-être sur eBay, tu vois. Attends, on va essayer un truc. China. Après, si jamais je retrouve pas les autres, ça va pas me servir à grand chose d'en avoir un et puis de faire le design pour celui-ci, sachant que. Mais c'est incroyable ça. Où est-ce qu'ils sont les autres? Parce que quand j'ai sorti celui-là, j'ai sorti les autres aussi. C'est fou ça. Bon. Le circuit 6, ça a l'air d'être celui-là. Est-ce qu'il y a des plans?
Mais ce qui me semble bizarre, c'est que. Alors, déjà, c'était pas. Non, c'était pas ce prix-là. Donc, ça, il y a quand même très peu de chances pour que ça. Par contre, c'est vrai que. Putain, il y a juste un truc. Après, on peut regarder les plans si jamais les dimensions sont à peu près les bonnes. Ah, attendez, fiche produit, catalogue produit, fichier 2D. Fichier 2D, ça me plaît. PNG image, on va regarder. Ouf, un plan avec PNG. 22 mm, déjà ça me plaît parce qu'il me semble que c'est du 22. Et là, t'as un lidar. Ouais, mais c'est pas. C'est sûr que c'était pas celui-là. 22, on est OK. 22 sur le dessus, on est OK. Là, les trous, c'est du 3 x 5 par 5. Oh, ça a l'air d'être ça aussi. Ça. Yeah! Eh ben, dis donc. 5 par 5. Extérieur, lui il me dit 44. Ouais, moi j'ai 44,5, mais bon. Et là il me dit 35. Alors là c'est plus dur à donner. Mais 35, ça m'a l'air cohérent. 7, 8. Ouais, c'est ça. 9, c'est ok. Et le 5. Bah écoute. Un gros 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 bravo à Energy Geek. Je sais pas comment t'as fait. C'est un standard en fait. Là on en apprend aussi. Mais du coup, j'ai toutes les valeurs. Bah écoutez, on va faire ça de manière très très simple. À savoir un. Oula. Oui, c'est ça. Hop. On se fout un peu de le faire précisément. Collecteur tourneux 22.6. Ouais, bah écoute, voilà, comme quoi le bon Google. Le bon Google, et ça suffit. Alors, par contre, ouais, j'ai le L que j'ai pas. Mais ça, c'est pas grave. Là, il me dit 2,4, j'ai pas testé ça. Ouais. Allez, 2-4. 2-4. Ok. Ça va faire 44. Et il me manque. Ah non, ça c'était 22, c'est bon. Il me manque. Ah oui, la distance au-dessus. Alors, clac. Ouais. Et on va faire ça comme ça. On va l'aligner. Hop. Et alors là, du coup, de là à là, ça j'ai vérifié. On a bien 5. 45 c'est beaucoup. 5 c'est mieux. Voilà. Et alors là, il y a cette question-là. Alors eux, ils disent, ça devrait faire 19 mm. Parce que si je suis sur un 6, est-ce que c'est bon? Bon, je suis sur 19 mm. Hein. Exactement ça. C'est très très bon. Ensuite, j'ai mon. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça au début. J'ai ce truc là qui fait 9. Oh, ça me semble énorme ça. Et 7, 8. Voilà. Et donc, si je mesure complètement mon boîtier, je suis censé avoir. Censé avoir 28. Testons. Ok, j'ai bien 28. Bon, c'est pas mal. Allez-y. Nous avons notre collecteur. Non, peut-être pas rien. Voilà. Impeccable. Et il va plus me rester qu'à mettre. Voilà. 5. On va. Le centrer. Hey. Bah oui. Est-ce que tu pourrais le mettre en construction, s'il te plaît? Merci. Et lui, il est à 35 de diamètre. Voilà. Est-ce que c'est cohérent avec ce que je vois? C'est toujours bien de vérifier. C'est à l'air cohérent avec ce que je vois.
Tu as dû prendre ça plutôt. Ah, alors as-tu. Écoute, c'est fort probable. 22-6. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que. Ouh, 15! Enfin, ça, c'est beaucoup, ça. C'est qu'il y a quand même d'autres formes intéressantes. Merci, Energy Geek. Hein, c'est. Notamment ces petits machins-là, qui sont facilement intégrables, et ça c'est plutôt cool. Je suis étonné du prix, je pense que j'avais pas payé ce prix-là. Justement parce que j'avais choisi les plus cheapos pour essayer. Et si on descend. Ouais, c'est celui-là. Ouais, donc c'est ça. 2,3 par contre, ils disent. Ouais. Je suis plus proche de 2,3 que de. Et 44,5. Si, c'est ça, MSC. Je vois bien le C maintenant. Par contre, le SMS, je sais pas. Mais 22,06. Ah, donc c'est ça. Et alors, du coup, ils disent combien? Ils disent 44,5. Ouais, je pense qu'on va plutôt prendre ce design-là. Je vais le mettre à côté. Quelle efficacité! Quelle efficacité! On va modifier en fonction de ce design qui a l'air de ces mesures qui ont l'air beaucoup plus précises et beaucoup plus proches de ce que moi j'ai. Bon, on n'est pas à une vache près, hein, surtout que ça va bouger un petit peu, je vais lui laisser un peu de latitude. Mais quand même, 2,3. Alors le L, lui il me dit 19. Ok. 11, ça change pas. 7, 8, 9, 5. Et du coup, tout le reste ne change pas. C'est comme le prix des bonbons, tout augmente. Et ça, du coup, on va pouvoir l'enlever et faire une petite multiplication. Cette répétition plutôt. Bon, je peux mettre ça sur cet axe-là. Nickel, ton salaire aussi. Pas répondre à cette question. Pas forcément. Pas forcément. Alors, par contre, il faut que j'en revienne dans mon projet. Joker. La Twitch Money. Ah ouais. Ah ouais, parlons-en de la Twitch Money. Putain. Est-ce que King, il est là encore? Qui nous parle de la Twitch Money. Lui, il s'y connaît en Twitch Money. actionnaire composant. Spring. On va mettre la référence que Energy Geek nous a trouvée. Qui est donc le MSC-22-06-0. Ah. Voilà. Nickel. Et ben super ça. Bon, les sorties de câbles, pour l'instant, je m'en fous un peu. J'ai pas besoin de les modéliser. Bon, c'est pas bien de dire ça, mais en vrai, ça va, j'ai un peu de. Pas obligé de l'avoir. Alors, maintenant qu'on a ça, on va revenir sur notre proto. Ça, on l'a fait à part. Ça, on l'a fait à part. Ça, par contre, ces deux pièces-là, on les a designées directement dedans. Le support aussi d'ailleurs. Du coup, il va peut-être falloir que je change un petit peu de manière de designer. Parce que là, si je fais une coupe, je vais partir du slip ring comme ce que j'ai fait la dernière fois. Ça me semble beaucoup plus simple et beaucoup plus fiable. Hop. Alors, c'est la ma valise V2, et ben du coup, ce sera le ma valise V2.1. Et on va intégrer mon composant. Alors, électronique composant. 1, 1, 1, ouais. On va le dégager.
Voilà, donc ça c'est la base de mon design. Oh, on a vachement bien avancé. Salut Mesker, King of Shop, 3 centimes. Ça c'est de la Twitch Money. Pour revenir, le prix du moment, le 40 bas, est un exemple flagrant. Putain, c'est pas combien c'est aujourd'hui, mais depuis son invention, il y a différents Ça c'est des débats de fond, ça. Ça c'est des trucs comme j'aime. Voilà. Voilà. Une fois. Un roulement. Pour les roulements, on va prendre le classique 608ZZ. Parce qu'on n'est pas un skateux ou un rouleux pour rien. Alors l'autre slip ring que j'avais, qui respire quand même beaucoup plus la qualité, c'est celui-là. Et qui m'avait coûté 25 balles. Donc au pire, je peux encore le réutiliser. Est-ce qu'il est compatible? Il est compatible. Oui, il est compatible, il a juste pas. Il est juste un peu plus bas que l'autre. Ah oui, vous en êtes vraiment là, quoi. Ok. Non, non, mais je respecte. Alors, commençons correctement. Je vais considérer que je fais une balise sans trait de 10 par 10. On va commencer comme ça. On va créer voilà, un sketch comme ça. Et on va créer voilà, un rectangle, un carré sans trait de 10 par 10. Comme je ne sais pas trop où on va, enfin un petit peu, mais pas tant que ça. Cette version-là, elle va être un peu cracra, mais c'est pas grave. Là, je vais pas faire la même connerie que la dernière fois, c'est que je m'étais mis à 22 piles, et à l'impression, ça n'avait pas marché. On va se mettre à 23, parce que, en fait, la partie qui remonte là, elle tourne pas, elle est fixe. Donc, ce qui est vraiment important, c'est voilà, ces perçages-là, que je vais projeter directement, même s'ils sont déjà mis. Merci de m'avoir projeté mes trucs sélectionnés, Fusion. J'aime. Allez, on commence. Voilà. Donc là, j'ai tac, 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 ça. Et un truc que je peux faire aussi, ouais, ça c'est bien, c'est directement intégrer sur cette base-là le trou oblong que je vous avais dit ici. Je vais dégager l'analyse ici, mais qui butait sur le moteur. Comme ça va me permettre d'avoir en fait la taille de mon disque ici par rapport à mon disque là, de mes deux pignons pour pouvoir après les générer. Je vais aller choper. Yes. Voilà. Comme ça, j'ai pile poil les dimensions. Bon, bah, c'est parti. Alors, on va se mettre là, comme ça, on ne sera pas gêné par les perçages. On va créer un slot. On va projeter ça en construction et comme ça on va pouvoir alors, dégager cette partie-là, on n'en a plus besoin. On va pouvoir bosser tranquillement avec ça. Et là on va venir se mettre carrément à fleur. Voilà. Donc là il ne me reste plus que mon diamètre à modifier. Diamètre que j'ai. Alors j'ai pas spécifié un diamètre, je vais spécifier un écartement. Donc hop, on va se mettre à 12. Nickel. Alors ensuite, il y avait ce truc là. Alors 13 et 1,75. Ok. On va le faire directement comme ça. Ah non! Ok, et là on est bon. Maintenant la question c'est comment est-ce que je le positionne, sachant que je ne veux pas aller où je veux avec mon modèle. Donc, je réouvre ça.
Bon, clairement, je peux le centrer, ça ne changera pas grand-chose. Ouais, on va faire ça. On va le centrer. J'arriverai jamais jusque-là, de toute façon. Voilà. Et là, on va plutôt le faire à l'inverse, c'est-à-dire que on va voilà, spécifier une dimension pour éviter que ça tape. Alors pourquoi 8? Parce que pourquoi pas? Non. Parce que généralement je mets 5, mais là je vais rajouter un petit peu de marge. Au cas où j'ai une plaque d'acrylique à passer. 5 plus 3, ça me fait 8. Voilà, ouais, bon. Je peux même pas me payer un mini 40 bar. Ah ouais, ah ouais. Et ouais. Pas assez de YouTube Money. De Twitch Money. On trouve pas les fondamentaux sur Internet qui est donc l'évolution des prix du 40 bar. On trouve pourtant celui de l'or. Bah ouais, et en plus, l'or c'est vraiment pas important. Honnêtement. On s'en fout de l'or. Ce qu'on veut, c'est bouffer des 40 bar. Alors là on est bon sur notre plaque de base. J'ai le Big Mac. Ah oui, ça c'est l'évolution du prix du Big Mac. J'ai vu ça, ça inquiète les gens. C'est fou quand même. C'est fou. Quand tu vois que les gens se battent de toute façon quand il y a un McDo qui ouvre, qu'est-ce que tu veux faire? Alors, attendez. Hein. Ouais, on est bien. Hein. Allez, on va garder ça. Allez. Je vais le faire en impression 3D ce mat. J'en referai peut-être un design plus tard en découpe laser ou en intégrant des pièces de découpe laser, mais sinon pour l'instant je vais le faire en impression 3D. Alors là je vais pas laisser ça comme ça, je ferai un chanfrein par la suite. Je pense que maintenant, ce qui serait intéressant, ce serait d'assembler le moteur. Alors, pour ça, on va revenir. C'est un peu ça là. Ça va pas. Dans Fusion, là, ça, c'est ce truc là, ça va pas du tout. J'aime pas. Je l'ai dit, j'aime pas beaucoup. Ok. Voilà. Non, le N20. Pourquoi j'en ai deux? Hop. Ah non, j'ai fait une bêtise, les amis. J'ai fait une bêtise et je fais toujours la bêtise. C'est désespérant. Voilà. Et du coup, on peut pas créer un nouveau component. Donc ça veut dire que je vais devoir revenir ici, supprimer ça, repartir sur mon sketch. Faire une extrusion, voilà, ça sera un nouveau component de 5. Voilà, et là ça va être support parce qu'on est très original. Alors on enlève le sketch, hop, on revient derrière. Et ok, super, là on est pas mal. Reste plus qu'à connecter tout ça. Voilà. Non. Ok. Clac. Clac. Impeccable. On est bien. Et ça, on va venir l'insérer là. Alors, je vais. Alors, c'est quoi le truc le plus logique? Ben, ça aussi, c'est de partir de là. Voilà. Et là, on va lui proposer un slide selon l'axe Y. Voilà, donc là, le moteur rentre en contact, mais pas trop. Et, ah non, ah non, 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 non. Reviens ici, toi. Voilà. Nickel. Et par contre, ça... On va le mettre à la masse. Nickel. Ok. Donc là, on est bon. Là, ça bouge. On est content. Ça, c'est au plus près. Et donc, en théorie, le réglage devrait être quelque part là, quoi.
Et alors là, je suis un peu bête parce que, effectivement, mon moteur n'est pas arrondi en dessous. Donc en fait, ça là, ça va pas du tout. Revenons en arrière. Du coup, en fait, l'ouverture, elle est plutôt. C'est plutôt un carré, quoi, en fait. Donc j'ai fait ça pour rien. C'est pas grave. Okay. On va le garder cet oblong, c'est pas grave. Voilà. Là, c'est plus logique. Du coup, on a fait un oblong pour faire un rectangle. Parfait. Barbacaramba. Comment tu ajoutes les couleurs? En fait, j'ajoute pas les couleurs. En gros, tu vas dans Tool et tu as un truc qui s'appelle Component Color Cycling Toggle. En gros, tout est bleu et tout est gris en fait. Mais tu vois, à quel côté, il génère des couleurs automatiquement en fait, de manière random. Et du coup, ces couleurs-là, tu peux lui demander de les appliquer à ton modèle avec ce truc-là. Ça ne les applique pas véritablement, c'est juste de la visualisation si tu veux. Et ça te permet justement d'avoir directement des couleurs différentes pour toutes tes pièces et de les retrouver aussi ici. Voilà. Par exemple, tu sais que le bleu, c'est ta pièce principale. Alors là, il a choisi des couleurs très proches, mais que le rose, là, c'est ça. Le rose un peu plus. Ça, c'est du violet, bah, c'est ton N20, etc. etc. Pareil, là, tu vois, si j'enlève le color cycling, voilà, j'ai les vraies couleurs, avec les vrais matériaux. Et hop, voilà, là, j'ai les couleurs, les fake couleurs. C'est plutôt très pratique, honnêtement. C'est vraiment intéressant. Barbapantane. J'aime beaucoup le barbapantane. Alors, maintenant que j'ai ça. Alors, première impression quand même, hein, je dois le dire. Je suis assez surpris parce que, effectivement, ça prend de la place dans un carré de 10 par 10. Les balises maintenant font 10 par 10. Donc on va voir ce que ça donne, mais je suis assez surpris de la place que ça prend. Alors, comment on va faire maintenant? Ah si, je sais. Maintenant, il faut que je me mette au taquet ici. Voilà. Donc en fait, on va créer un joint qu'on va venir dégager par la suite. Qui est juste un. Hop. Voilà. Contact planaire. Pour nous dire, ça c'est la valeur où c'est le plus tapé dedans. Alors là, il y a un problème là, les amis, c'est que ça va pas, ça. Qu'est-ce qui se passe? Ok, je crois que j'ai compris. Il se passe qu'en fait, ça normalement c'est écrasé, c'est les deux qui viennent ensemble. Oh, il y a quelques erreurs là. En fait, ça, on va supprimer. Pareil pour ça. En gros, quand je serre, voilà, je vais être rigide comme ça. Et ensuite, ouh, ça veut dire que je me suis planté aussi de l'autre côté. Comment je vais faire? Normalement, je dois être ici. J'ai pas de point de contact pour pouvoir. Ah merde! Ça, c'est très con, ça. Très très con. Oh, je sais. On va utiliser les centres. Heureusement que j'ai fait ça centré. Pas centré, centré, mais. Ouais. Et c'est l'erreur! C'est l'erreur du joueur français! Voilà. Et donc, du coup, on est bon. Non. Oui. Voilà. On va faire un contact
planaire, planaire, et dans l'autre sens. Voilà. Du coup, il faudra que je change les jeux sur cette pièce-là. Et normalement, je vais jusque-là. Maintenant. Oui! Là, ça marche. Ouf! Bon, j'ai eu peur. Du coup, j'ai oublié ce que je voulais faire. Ah oui, maintenant, il faut que je crée, à mon avis, le support pour le roulement qui est ici. Pour faire ça, on va passer sur du latéral. J'avais fait une pente sur le premier. Honnêtement, c'est un peu con. C'est pas un peu con, mais c'est pas forcément très optimal. Il y a un cylindre, c'est largement suffisant. Et est-ce que je le fais en rotation? Est-ce que je le fais en plan? Je ne sais pas, ça tient. Comment est-ce que je peux faire ça? Je vais le faire comme ça. On va projeter. Non, pas cette ligne-là. Je vais projeter la ligne. Voilà. Celle-là en construction. Et je vais projeter aussi ça. Et ça. Nickel. Donc j'ai mes points. On va dégager cette pièce-là. Le N20, le support, etc. Voilà, ok, et donc mon idée c'est de faire quelque chose qui ressemble à ça. Alors, il va falloir que je... Voilà, là c'est pour reposer le roulement. Attends, c'est à l'intérieur, rien. Ouais, là je repose le roulement. On descend. je suis obligé de refaire un truc comme ça. Et non, là, j'arrive là. Ok. C'est à peu près ma forme. Tiens bon. Voilà. Alors, ce dont je suis sûr, c'est que de là à là, forcément 8. Enfin, en diamètre. Ensuite, de là à là, je vais avoir du 2 mm, c'est largement suffisant. Voilà. J'ai pas besoin d'avoir quelque chose de très haut, c'est juste pour appuyer sur mon roulement. Le problème, c'est qu'imprimer ça, il y aura du support. Je vais mettre un petit chanfrein ici, mais c'est pas trop grave puisque je suis à l'intérieur. C'est pas une face qui est importante. En soi, il n'y a pas trop de soucis. Voilà. Maintenant, le truc important, c'est de s'aligner avec ça en termes de hauteur pour justement avoir pile la hauteur ici de mes pignons. Mon roulement, c'est un 608ZZ. Donc, de là à là, j'ai, à chaque fois j'oublie, c'est 7, normalement, et voilà, c'est ça, toujours un petit doute, c'est 7. Toucher, couler. Et donc ça, c'est le haut du roulement et le haut de la plateforme, pour moi. Je vais garder les pignons de 5 mm que j'ai fait. Si ça se trouve, la cote que j'ai faite, elle ne servait à rien. 5 mm, c'était suffisant. Donc en fait, c'est pas le haut du roulement que je vais prendre, c'est le haut du pignon. Voilà. Clac.
Voilà, donc ça, c'est le niveau de mon pignon. Et du coup, de là et là, je peux les faire coïncider. Oui, non. Bah non, apparemment. Parce que c'est pas projeté. Voilà. Ok, donc là, j'ai la hauteur. Et au final... Bon, je peux faire... Bon, en fait, là, si mes câbles, ils passent au milieu... Ah voilà. Et c'est là qu'on se marre. Parce que là, voilà, là il y a un problème. Là ça va être trop fin là. Là il y a un souci parce qu'en fait mon câble, mes câbles ils sont pas centrés. Sais pas si je peux vous montrer ça. Ça va être un peu compliqué à montrer, mais en gros. Je sais pas si vous voyez, mais les câbles sont pas centrés, un peu décalés sur la droite, enfin d'un côté quoi. Alors du coup là, je vais être un petit peu embêté. Parce que là, je peux pas jouer là-dessus puisque c'est mon roulement, à moins que je mette des roulements un peu plus badass. Mais est-ce que j'ai des roulements, j'ai des 608, mais j'ai aussi des roulements un peu plus costauds. Semblait avoir sorti, mais bon, décidément. Où est-ce que je l'ai mis l'autre? Deux normalement. C'est des 600, des 6202. Et c'est de mémoire ce que j'avais mis là-dedans. Ce qui faisait que, voilà, j'avais de la place. Mais c'était vraiment barbare reparti. Ah oui, vous êtes au quart de tour. Mais le souci, c'est que c'était très lourd à entraîner pour mon petit moteur. C'était ça qui était problématique. Voilà, diamètre 15, ouais, c'est celui-là, hein, que j'ai mis. Ouais, c'est ça. J'aimerais quand même rester sur du 10. Nous sommes attentifs. Ouais, mais vous êtes une classe très silencieuse et très attentive, je trouve. C'est bien, hein. Je sais pas trop comment m'en sortir avec ça, surtout qu'en fait là en fait je me suis un peu planté, c'est-à-dire que mon roulement lui là ici je vais aller jusqu'à 7. Donc attendez, on va bouger des trucs. Cette limite-là, on va la garder puisque c'est le haut de notre pignon. Salut l'AS axe. C'est quoi l'objectif exactement? Alors l'objectif ici, c'est de redesigner un mât de balise. Où est-il? Un des mâts de balise de notre robot pour la Coupe de France de robotique. En un mât de balise à rotation à 360 degrés avec un capteur. Donc, on a déjà fait un petit proto que voici. Voilà, qui fonctionne juste pour tester le moteur. Et là, on est en train de designer, du coup, faire le design de la balise, du proto suivant, en fait. Voilà. En gros, mettre un truc qui tourne sur un robot. C'est ça. Avec un capteur dedans. Histoire de détecter les capteurs adverses. De détecter les robots adverses sur le terrain. Donc, voilà. Et donc là, on se prend la tête un petit peu avec ce qui est pas la partie la plus... compliqué, mais une des parties un petit peu chiante, à savoir l'intégration du roulement au niveau du collecteur rotatif. Et je t'avoue que je me bats un petit peu là. Je vais reprendre un petit peu ça, parce que j'ai fait un tout petit peu n'importe quoi. J'ai la base du palier. Oh. J'ai la base du palier qui est ici, et ensuite j'ai l'axe de mon roulement. Voilà, là on est bon,
Là, c'est exactement ça que je dois avoir. Là, je dois avoir mes 0,5. Ok. Et là, je dois avoir, entre là et le centre, je dois avoir 8. Et les cocos, ça va pas être... Ah non, non, non. 8 divisé par 2. Et les cocos, ça va pas être simple, cette histoire. Parce que là, j'ai 7, la hauteur de mon roulement. Et là, ça va être très fin. Hein. Après, on peut faire quelque chose de très fin. Combien j'avais fait de l'autre côté? On va essayer. Et lui, il barba réfléchit, nous on barba déconne. C'est un peu ça. Là, je m'étais dit que c'était centré. J'étais dans le meilleur des mondes. Et c'est barba amusant. diamètre 4 mm. Wow. J'étais audacieux. Et l'autre côté, ça passait pas. Parce qu'en fait, là, mon truc, il était faux. Bon, alors, du coup, de toute façon, ça va être simple. Si je m'en sors pas. Vous venez me chercher? Non, si je m'en sors pas, je vais juste descendre le capteur. Le collecteur. Voilà. On va continuer et on va voir ce qu'il nous reste. Voilà, on va mettre 2 mm. Voilà, les câbles vont passer là-dedans. Je mettrai de quoi faire en sorte que ça marche. Et ici, il me faut. Alors, c'est pas comme ça qu'on fait. Normalement, je devrais aller chercher l'info sur une datasheet, mais bon, tant pis, on va le faire à l'arrache. C'est 12. Voilà. Alors, ouais, vous pouvez, je le dis peut-être, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais vous pouvez être toujours surpris que quand je fais un truc comme ça à demi. Je mets toujours 8 divisé par 2, je sais pas, 2 divisé par 2, ou là, 12 divisé par 2. Alors en fait, ça peut paraître con parce que bon, 12 divisé par 2, bien évidemment que ça va, j'arrive à le faire de tête, même avec un coup dans le nez, ce qui n'est heureusement pas le cas ce soir. Le problème, c'est que des fois, quand il y a des valeurs un peu à la con, ou si jamais je veux mettre des valeurs un petit peu à la con. Quand je réouvre le sketch, je vois les valeurs à la con, je fais bon, comment est-ce que j'en étais arrivé là? Le fait de diviser par deux et de montrer le cheminement de calcul dedans, comme c'est enregistré, je reviens sur un sketch et que je redouble-clique sur la valeur, je peux me souvenir de comment j'avais fait. En fait, si je le fais pas, des fois, ça peut être un petit peu problématique. Voilà, donc c'est une habitude que j'ai prise. Cela barba détend de le voir galérer. De le voir barba galérer. En vrai, je galère pas trop. Hein. La semaine dernière, j'ai beaucoup galéré. La semaine dernière, j'étais pas dans. Ça n'allait pas. La semaine dernière, ça n'allait pas. Aujourd'hui, ça va beaucoup. Barba est une petite rivière française qui coule dans le département des Vosges. En région Grand Est, c'est un affluent gauche de la Vosges. Merci Wikipédia. Barbapédia, voilà. Intéressant cette technique. Je te remercie. Alors, le souci, voyez-vous, c'est que si je reprends exactement ce que j'avais fait la semaine, tout à l'heure, hein, enfin, sur mon précédent. Voilà. Là, du coup, je barba galère à parler aussi. Il me reste pas grand-chose là. Il risque de frotter, il y a les câbles et tout, j'aime pas ça. Donc, on va finir le sketch. Et en fait, ici, ça, on va passer à du 7 mm. C'est énorme. J'imprimerai bien évidemment pas ça, je vais vider après. Mais ça va me laisser beaucoup plus d'espace, à mon avis. Voilà. Oui. Voilà. Beaucoup plus rassuré. Là, je peux mettre une valeur assez importante. Voilà, 2-3 mm. 2,5 comme ça. Et chanfreiner, j'aurai plus de place pour l'impression, ça va mieux se passer. J'ai même envie de dire que là, on peut réussir à faire un truc dans ce genre-là. Est-ce qu'on pourrait faire ça? On va faire ça. C'est pas qu'on pourra, on va le faire. On peut le faire, on va le faire. Yeah! Non, reste bien droit. Yes, voilà. On va lui mettre un tout petit côte. On peut monter à 60. On peut monter à 30, mais ça va pas beaucoup. 45, je suis à combien?
M45, c'est quoi? Fin là. C'est fin. 28. Allez. C'est encore acceptable. Après, je peux coter. On peut faire à l'inverse. Je peux coter cette partie-là, à la limite. Allez, on va faire ça. On va lui dire que je veux 2. Ouais. Ouais, je préfère. Ben voilà, il a son con. Ah, ça va, hein. Ça va, hein. Oh! Alors attendez, je me rends compte d'une petite bêtise. C'est que ça, en vrai. Oh! Ça, c'est du 5, mais je vais pas mettre du 5, je vais mettre du 3. Pourquoi? Expliquez-moi. Pourquoi il est bleu encore, lui? Il est centré? Il bouge plus. Je vais le supprimer, je vais le refaire. Ok. Une raison inconnue. Ce sera le mystère de fusion de ce soir. Pourquoi ça n'a fait rien? Alors, touc. Donc ça va nous laisser un poil plus de marge. Et du coup, forcément, celui-là n'est plus bon. Voilà. Nickel. Et là, le joint est plus bon aussi. Missing joint. Voilà. Ah, dommage. Nickel. Ok, alors maintenant que ceci est fait, on va revenir ici. Il faut que je mesure une vis. On va prendre une vis. Une TBHC. Allez. On va prendre du TBHC à cet endroit-là. Ça sera parfait. Donc, TBHC, la tête elle fait 5,5, elle est 6, on va dire. Alors, 6. Donc, il faut que je. Alors, je ne peux pas le faire par rapport au centre. Il faut que je mette un point au centre. Voilà, donc, là, ici, il faut que je laisse plus de 6. Non, plus de 6 divisé par 2. Donc, on va mettre 4. Ouh! Très bien. Et ça, normalement, les amis. Ça passe ici, ça passe là, c'est magnifique. On enlève tout de suite le slip ring. On n'enlève pas le slip, hein. Vous avez vu, bande de cochons. Et on vérifie quand c'est bon. Et le chanfrein, on va le laisser comme ça, il n'y a pas de raison que on le change. Hop là, on remet le slip. Le pen ne va pas toucher les supports moteurs. Si, mais je serais tellement au taquet que c'est pas grave, normalement mon réglage. Justement, c'est ce qu'on va faire là maintenant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se. Il est très drôle cet emoji. On va se mettre au-dessus et on va tracer les deux cercles qui représentent nos pignons en disant que on doit avoir un ratio de 2 et on va faire en sorte que le centre du pignon ici, il soit plus vers la droite. Voilà. Pour qu'on puisse régler notre pièce, notre pression aussi sur notre pignon. Par contre, je parle et en même temps, je réfléchis. Oui, hein, on avait fait un joint, donc c'est pour ça que ça fait ça. Ok, on va insérer un roulement, tu vois. Comme ça, c'est bien, j'aime bien insérer des pièces. Bien. Voilà. Nickel. 22, 7. On va. Merci Adev. On va aller chercher ce petit roulement là, ce petit 608ZZ. Voilà. Ça, c'est quand même très très pratique d'avoir ça dans le logiciel. Ok, c'est quoi ces couleurs pourries là? Pourquoi j'ai du rose partout? Merci Laeshax. Laeshax. Vous m'aidez pas hein, sur les.
L'Aeschax, c'est ça, hein, je le prononce bien? C'est bien dit. Ah, super. J'en suis très content. Alors, non, on va le rigidifier, on s'en fout. On va pas non plus faire une liaison pour les balles à l'intérieur. Ok, du coup, mais en anglais, c'est L'Aeschax. Ok. Donc voilà, Dak Jemor-Holma, qui est là. Ça me perturbe cette. Je suis désolé, excusez-moi. Voilà, il faut que ça se fasse. On va tout de suite se mettre un tout petit section analysis. Voilà. Reste pas beaucoup d'espace quand même, hein, mais bon. Je me demande si j'aurais pas dû faire deux. Oh, bon, allez. On s'embête pas. Ok, c'est pas trop mal. Je viens de découvrir ta chaîne YouTube. Oh, et Twitch. Et je regrette de ne pas l'avoir découvert plus tôt. Ah, bah écoute, je te remercie. Merci beaucoup. Alors, comment est-ce que tu as découvert ma chaîne YouTube, d'ailleurs, si ça m'intéresse. Tu fais de la robotique aussi? On va créer un plan. Alors attendez, comment je vais faire? En 130 heures, tu peux rattraper ton retard. De live! Après, il y a les vidéos. Les... Et toutes les vidéos que je fais depuis. Oula, depuis 2015. Comment faire? Il faut que je crée un petit truc. Une petite conception, un petit truc squelette, quelque chose comme ça, juste pour m'aider à faire du décisionnel sur mes pignons. Parce que. Alors, je vous montre après l'idée. C'est qu'on va travailler après sur ces deux pièces-là. Voilà, cette pièce-là et cette. Oula, avec l'analyse ici, c'est bon. La pièce en orange, là, claire, et la pièce en bleu. Le souci, c'est que là, je l'avais fait directement dans l'assemblage. Là, j'ai envie de le faire dans deux pièces séparées pour pouvoir mieux gérer la génération de denture. Parce que c'est pas évident. Ça devient assez chiant, cette génération de denture, quand on veut faire des modifs. Grosso merdo, comment ça fonctionne? J'ai un petit truc qui s'appelle. Alors, moi, j'utilise Helical Gear. Et. Voilà. Et qui va me générer en fait un pignon quoi en fait. Le truc c'est que je vais générer à partir du module et du nombre de dents. Oh je peux faire un preview, j'ai pas vu qu'il y avait ça. Mais c'est un peu violent le preview, non? Ah. 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 Ouf. Bon, peut-être pas dû faire de preview. Et là, il va marquer. Marquer? Il va marquer les dimensions, les diamètres, etc. qui sont générés. Et donc, pour décider de quel nombre de dents je vais avoir besoin, diamètre, etc., il faut d'abord que je fasse une projection au-dessus et que je simule en fait les deux pignons. Pareil, je viens de découvrir, je fais de la robotique. Ah, cool! Oui, tous les dimanches à 22 h. En tout cas, j'essaye. Il m'a aidé sur Twitch, mais je fais pas de robotique, même si je trouve ça très intéressant. Ok, ah, c'est bien. C'est bien que l'algo de Twitch permet de retrouver ça quand même. Exactement pareil que moi. Ah, bah, je suis content parce que c'est rare que les gens tombent dessus directement sur Twitch. Souvent, c'est sur mon Twitter. Du coup, ça veut dire que ça commence à marcher un petit peu au niveau algo Twitch. Alors. Hop, je vais prendre ça. On va cacher tous les trucs qui ne sont pas importants, à savoir ça j'en ai pas besoin. Mon roulement j'en ai pas besoin. Le support droite j'en ai pas besoin. Et le N20 j'en ai pas besoin parce que je sais que le centre il est ici. Et du coup ça je peux le dégager. Donc, l'idée, c'est que je vais avoir un pignon qui est là, centré ici. Un pignon tangent qui va être... Alors, pour l'instant, on ne connaît pas son centre. On va mettre... oui. Voilà. Et l'idée, c'est que ce... Le diamètre ici soit égal à deux fois ce diamètre-là.
par quoi je commence? Il faut que... Alors voilà. Toutes les... Tous les trucs, c'est de dire Barba... Barba Fame, Barba Star. Such streamer. J'ai plusieurs solutions. Alors voilà, toutes les, tous les paramètres, c'est ça. C'est ça, ça doit faire deux fois ce diamètre-là. Et il ne faut pas que le centre de ce pignon-là aille au-delà de cette limite-là, de ce point-là. Si je vais... Je sais pas si ça va marcher ça. Ce qui me le prend. Il faut que je le projette. Voilà, c'est de cette rotation-là. En fait, je peux pas le projeter véritablement, je pense. Non, je peux pas le projeter, donc ça sera du visuel. Zut. Fichtre. Voilà. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre à côté. Je vais reprendre mon outil, la Helical Gear. J'utilise un module de 1, personnellement. On va mettre 0 sur les listes, donc on va pas faire un truc comme ça. Et on va travailler, je pense, sur le... sur la pièce centrale. Ah, alors quand je fais ça, ah, ça génère le... Ah, ça c'est con, ça. Ah, ça va me prendre un temps fou. Là, j'étais à 32 dents, donc je vais être forcément un peu plus que 32, ça va être 34 ou quelque chose comme ça, parce que si, là j'étais un petit peu juste. Bon, allez, on recommence. Voilà. Et du coup, là j'ai un diamètre de... alors, il y a le pitch, le outside et le base diamètre. Moi, c'est le root diamètre que je veux, donc 31,5. Voilà, donc là, il va me le générer, tant pis. Donc, mettons que je parte là-dessus. 31,5. Ça veut dire que je vais sélectionner cette dimension-là et je vais la multiplier par 2. C'est bien, rien, c'était juste l'inverse. On va la diviser par 2. Voilà, et du coup, vous voyez que là, ça ne va pas. Faut que je sois bien plus grand. Par exemple, à 40, ce serait pas mal. J'ai un peu de limite, ma pression, elle est un peu au-dessus de là. Donc, 40 maintenant, bah, je vais refaire mon truc. Et donc, hein, plutôt que d'avoir 34 dedans, je vais avoir beaucoup plus. C'est un peu à l'arrache, hein. Normalement on peut faire des calculs pour faire ça, mais je suis pas trop envie. Ok, 43 dents du coup, je vais me le noter quelque part. 43 dents, je suis à 40,5 de 40,407, non 40,5 au diamètre. Hop, je vais le remplacer ici. Donc pour que ça fonctionne encore bien, il faudrait que je sois à 20,25 de l'autre côté. On recommence, hop. Je garde le même module, ça c'est important. Et donc du coup, théoriquement, si j'ai 43 dents, je dois avoir une réduction de 2. Donc, je devrais être... Alors c'est un peu con, j'ai pas un nombre de dents pair. Si j'ai 44, ça fait 41,5. On va essayer de se mettre un nombre de dents pair, ça ferait 22 dents de l'autre côté. Voilà. Et donc là-dedans, je dois avoir 22 dents. Donc lui, il me dit que c'est possible. Avec un module de 1, c'est bien, je ne vais pas avoir d'undercut. Et donc le root diamètre, il est à 19,5. Est-ce que c'est ce que j'ai là? En théorie, j'ai un peu moins. Voilà. Donc là, 19,5. Voilà. Et là, c'est possible. Nickel. Tu ne parles pas de la génération des poulies qui va te donner le diamètre avec les pas et donc celui du moteur, moitié moins de dents. Bah là, je l'ai fait à l'envers. C'est ce que je disais, c'est que là je l'ai fait un petit peu à tâtons, parce que moi ce qui m'intéresse c'est juste le nombre de le ratio et que ça dépasse pas de mon système. Mais ta méthode est bonne aussi, hein. Bah en fait c'est... Et avec le pas et donc celui du moteur moitié moins dedans.
Bah, c'est un peu ce que j'ai fait en fait. Je suis en train d'essayer de recomprendre ta méthode, mais en fait, c'est exactement ce que j'ai fait en fait. Ou j'ai pas compris. J'ai peut-être pas compris. C'est fort probable que je. En fait, c'est ce que tu as fait. Ah oui, d'accord, ok, d'accord. Je veux dire, j'étais en train de me dire, bon, je vais me refaire un café parce que je comprends plus ce qu'on met sur le chat. Je vais peut-être me refaire un café d'ailleurs. Parce qu'il est minuit. Je me donne encore 40 minutes. Et 40 minutes, eh ben, il va me falloir un café. Allez, zou! Il est barbare reparti! Il va barbare revenir! Et je suis revenu à nu! Moi, pas clair avec faute de frappe. Eh ben, c'est pas mal ça. C'est pas mal du coup. On va. Ça, c'est dégueulasse par contre. J'avais 44 dents. Hein. 44 dents pour le premier. Non. Avec un pas de 1 mm. Je me le note à côté. Donc, ça, c'est good. Maintenant, reste à savoir. Est-ce que je reprends la même génération, à savoir 5 000. Oh ouais, 5 c'était pas mal. Ça s'est bien imprimé, 5, sur mon Hephaestos, donc on va garder 5. On va garder 5. Allez, gardons 5. Donc ça, on peut le dégager. Don't save, on s'en fout. Tiens, je vais le sauvegarder, ça faisait longtemps. 42 dents maxi avec un humain normal. Ah! C'est pour ça que ça me semblait pas. Ah oui, c'est 42. Non, c'est 44 et 22. Ah, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. On a manqué une occasion d'insérer 42 quelque part dans le robot. Alors, on va d'abord créer le pignon le plus simple qui va aller très vite. C'est celui du moteur. Donc, on reprend ici. Donc, 1 mm. Les unités. pas d'hélice. Un jour, je ferai peut-être des hélices. C'est quand même assez rigolo. 22. Ah non, 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 non. On n'est pas très loin, regardez, c'est intéressant. Si je mets 16, par exemple, et 5 ici, il me dit undercut required. Ça veut dire que si on va faire une preview, pour voir à peu près, vous montrer à quoi ça ressemble. En fait, il vous dit que là, il y a un souci. Il vous dit qu'il y a un souci parce que là, ici, votre coupe est mauvaise en fait sur votre dent. Je ne saurais pas l'expliquer parce que je suis pas mécano, mais en gros, vous allez comprendre tout de suite si je réduis le nombre de dents, ça va être encore plus visible. Vous voyez, voilà. Là. Et donc, du coup, ça va bloquer, ça va freiner, c'est pas bon. Donc, en fait, il y a un nombre de dents minimum pour que ça fonctionne correctement avec un angle de 20 degrés, un angle de pression de 20 degrés. Et donc, c'est ça qui est intéressant aussi, c'était de pas tomber en dessous de ce nombre-là. Alors, si je montre, je sais pas combien je suis, voilà, à 18 ça passait, donc à 22 il n'y a pas de souci, mais si jamais j'avais réduit mon diamètre, mon plus grand diamètre, en fait, j'aurais été un petit peu embêté à cet endroit-là. Voilà, admettons que j'aurais eu un diamètre la plus grande dent la plus grande oh mince plus grande poulie à 32 dents, et ben en fait ça aurait pas marché, ça aurait fait un bruit moche, ça se serait usé, etc. Donc en fait ma limite c'est 36. Bon, nous c'est pas le problème, on est à 44, donc on va se mettre 22. Voilà, on génère à 5 mm d'épaisseur, et par contre faut pas oublier le module, se mettre à 1. Voilà. Donc là, ça c'est good. On va bloquer cette pièce-là et on va se baser sur cette pièce-là pour la suite. La réponse à tout. 42, c'est un beau chiffre, effectivement. Et à partir de là, on va pouvoir générer toute cette pièce-là. Donc là, ça va être relativement simple. C'est-à-dire qu'on va se mettre en dessous de la pièce. On va créer un sketch. Voilà, avec un diamètre intérieur, un diamètre extérieur, un plat pour pouvoir mettre notre vis et pour pas être embêté. Mon café fait de la résistance. Hop, petit café. Barba, bien sûr.
Est-ce que vous avez un Discord? On a un Discord. Attends, je te donne ça tout de suite. Holo. Quand Barbe va revenir, ça c'est drôle. Alors là, on est bon. Je vais reprendre les paramètres de ça. Je l'ai imprimé, ça s'est correctement fait. Honnêtement, on va pas se fouler. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça c'est pas beau. C'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. Mais où est-ce qu'il est? Ah. Mais what? Oui, j'ai vraiment fait ça de manière très très sale. Et du coup, je sais pas où j'ai foutu le sketch. ça doit être ça. Ah yes, je l'ai, il est là. Donc diamètre intérieur 3, 5 on s'en fout, c'est pas le 6 qui m'intéressait plus. On remarque non parce qu'en fait ma vis elle marchait bien dedans. Eh ben allez, go. 3, 5, 6. On est parti. 6. Et 3. Voilà. Ça demande à ré être rectifié par la suite à la perceuse, le 3. Est-ce que je le modifie tout de suite ou est-ce que je le modifie à la main après? Oh, je vais le modifier à la main après. Je vais le modifier à la main. Barbartiste. Ok, et là du coup. Hey! Du coup, il y a des gens qui rejoignent le Discord. Je regarderai après. J'ai coupé mon Discord pour le live, mais. Merci beaucoup. 5. Allez, go. 5. Ok. Et là, ça, on va le dégager. Allô? Hello? Pourquoi tu m'as fait ça? Cut. All. Nickel. Voilà. Là, on va pouvoir se positionner ici. Et c'est là où je vais venir mettre la petite vis à plastique qui est. Je dois bien vous l'accorder. Mes nouvelles chouchoutes, les petites vis à plastique, là, c'est vraiment trop bien. Ça marche trop bien dans l'impression 3D, ça s'enlève très facilement. Merci Poutalachi 43. Patoulachi. Poutalachi. Désolé. Patoulachi. Excuse-moi. Les gens dans le chat te diront que je suis un. Un spécialiste pour écorcher les noms. N'est-ce pas, monsieur Poppy? Monsieur Mopy, brigadier chef à vente. En plus, là, j'ai la référence. Et en fait, non, tu vois. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, un nom grec. Pas du tout. Pas du tout. Oh mon Dieu. Allez. Un petit chinfrein ici. Un autre petit. Oh, quoi que j'aurais peut-être dû faire. Oh, bon, allez. Voilà. Là, c'est pas mal. Je vais le faire aussi à l'intérieur. Ça m'évitera de poncer de trop. Et il va y avoir. Alors, je vais imprimer cette pièce dans ce sens-là. Là, il n'y a pas besoin de faire de chanfrein. C'est pas grave. Et là, par contre. J'insère la tige de l'autre côté et donc du coup là on va créer aussi un chanfrein mais pas à égale distance avec distance plus angle. Non pas 90 c'est pas possible Adrien. 85. 38. Voilà. Et 0,2. Voilà. Parfait. C'est très léger. Ça va aider un tout petit peu à l'insertion de la pièce. Ce sera très bien. Ce sera parfait, même si je rectifie derrière. Ce sera impeccable. J'ai envie de faire un truc. Oh yes, je vais faire un truc. Parce qu'il y a quand même quelque chose à chaque fois. Je me souviens plus du nombre de dents sur mes roues. Eh ben, écoutez les amis.
Hop. 22. Non, 22. Ouf. C'est un gros texte, ça. 10. 5. Ok. Voilà. Oh. Tu sais bien. C'est très bien. Et ça, on va 0,3. Ça, je suis sur une demi. Ah non, dans l'autre sens, coco. Sinon, ça va pas marcher. Ça, si j'imprime en 0,15, ça me fera deux couches. Et si j'imprime en 0,2, une couche et demie, donc j'aurai un peu de marge. Oui! Qu'est-ce que c'est bon? Oh, bah oui, ça serait bien de l'enregistrer, dis donc. Pignon moteur. Pignon. Alors, attendez, je fais un truc très dangereux là, j'ai mon café, j'ai n'importe quoi. C'est n'importe quoi ce qui se passe ce soir. N'importe quoi. Pignon moteur 22 dents. Mais, il sait même plus écrire. 22. Pignon moteur 22. Ok! Barbariski. Oh. Celle-là, je vais l'appeler calcul diamètre pignon. Voilà, et on va le masquer. Et là, hop, on va l'insérer. Barba café sur clavier. Bon, ça va, j'ai un clavier de rechange au cas où, mais ça me ferait un peu chier quand même. Hop. Ok, J. Zoui. Le zoui est important quand tu fais de la modélisation. Eh bien, très bien. Et alors, si on veut être vraiment un peu. Oh bon, allez, on va le faire tourner. Parce qu'on est des fous. Voilà. Et maintenant, reste plus qu'à faire l'autre pièce. Alors, l'autre pièce. Ouais, je vais la faire à part aussi parce que je vais avoir le même problème. Alors le problème c'est que l'autre pièce, il y a quand même un truc auquel on, enfin, dont on n'a pas parlé hein, quand même, c'est que c'est bien cette pièce-là au-dessus là, mais j'ai pas pensé et j'ai pas réfléchi encore à comment on allait fixer le capteur aujourd'hui dessus. C'est-à-dire que là, c'est juste un plateau quoi. Donc il va falloir qu'on réfléchisse à comment mettre le capteur et j'ai laissé les balises ouvertes. Pour une bonne raison, c'est que autant dans alors attendez. Autant dans l'autre sens, il y a possibilité de régler le capteur assez facilement, autant dans ce sens-là, ben, j'ai toujours eu du mal à trouver une bonne astuce pour régler le capteur, parce qu'en fait, le réglage, il est très fin, il est très léger, mais il est important et j'ai besoin de le régler parce que tous les ans où j'ai mis le capteur à l'horizontale et que je ne pouvais pas régler mon inclinaison, j'ai eu des soucis de détection et ça nous a emmerdés, clairement. Donc, il faut réfléchir à une solution pour pouvoir orienter le capteur correctement, un truc qui n'implique pas trop de mécanique, soit pas trop lourd, pour justement éviter d'alourdir le système. Honnêtement, c'est pas que j'ai pas trouvé, c'est que j'ai pas cherché encore. J'ai essayé le café sur le clavier, ça marche pas mieux. Alors, ce que vous savez pas, c'est que j'ai vraiment renversé du clavier. Du. Ça va pas du tout. J'ai vraiment renversé du café sur le PC de King. Voilà, je suis désolé. Hein. Ouais, non, c'était du café ou du coca d'ailleurs, j'ai un petit doute. Dis-moi, je crois que c'était du café. Parce que je devais être très fatigué. J'ai renversé du clavier dans mon café. Tout va bien. alors bon. On se concentre. Alors. 1, 44, 5, 0. Le coca, c'est pire que tout. Ah, mais là, c'était du café sucré. Je vérifie quand même. Yes, 41, 5. Il me semble, c'était avec toi, hein? Je suis pas fou. Si, si, c'était avec toi. Pourquoi? Exact du café, ouais. C'est depuis ce jour que j'évite
de faire du fusion quand tu es à côté. Oh, du pommerol! Ouh! Ça, c'est sale aussi, ça. Et tu l'utilises encore ce PC, en fait, King? C'est encore celui que tu utilises? Ça serait drôle quand même. C'est. Alors là, je vais mettre 22, qui est le diamètre exact du roulement, sachant que je vais pas l'avoir, mais du coup, je vais l'insérer avec un métaux et en le faisant chauffer. J'utilise encore. Ça, c'est fou, hein, parce que j'avais vraiment, vraiment bien renversé. Hein. Je me souviens que ça coulait à l'intérieur. Encore désolé. Hein. Ok, donc là on est bon. Et au-dessus, j'avais fait une courolle avec voilà, un petit rebord. Donc de mémoire, c'était 4 parce que j'ai fait un rebord de 1, c'est ça? Ah, donc 3, 3, 4, 1, bah, 5, 6, 7. Oui, c'est ça, 3 et 1, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Alors, pourquoi je bloque? Alors là, on va faire volontairement un disque de 100 qui est, ah non, 100, 100 c'est mieux, 100 c'est beaucoup mieux, qui est le maximum que je peux faire tourner, mais bien évidemment je ne vais pas aller jusqu'à 100 parce que j'ai les montants sur les côtés. Hop, donc là 3. Et ici, on va venir mettre un tout petit rebord. Pas très propre ce que je fais, vous avoue. En 22, on est à 20. J'aurais peut-être dû le faire plutôt en révolution, mais ça aurait fait moins de fonction. Hop, alors là, ça, je vais appeler ça plateau pignon 44. On va faire exactement la même connerie, à savoir mettre le nombre de dents avec du texte. Alors, hop. Parfait. Et moins 0. Ah, combien j'avais dit? Moins 0,3. Yes, ça, on va pouvoir l'insérer dans notre mode balise. Donc là, c'est pas qu'on est revenu à l'état précédent du prototype, mais pas loin. Mais avec quelque chose de beaucoup plus propre. Salut, Historica 97. Plus 120 en vitesse de frappe. Putain, il a de l'XP en plus. Hop. Nickel. Là, on est bon. Donc là, effectivement, ça bloque. Ouh. Parce que. Ça c'est intéressant ça. On va revenir ici, c'est parce que je me suis mis. Ah. Ok. Ben c'est pas grave. Nickel.
Peut-être si tu repousses la pièce en rouge un peu. Oui. Alors voilà, t'étais déjà arrivé quand on l'avait déjà fait. En fait, j'ai une contrainte que j'ai mise juste pour faire ma conception. Je vais la supprimer maintenant parce qu'en fait ça, voilà, ça bouge ici, ce qui me permet d'ajuster. Alors ça me permet deux choses, d'ajuster la pression dedans et aussi de pouvoir monter le système. Par la suite, en fait, et de pouvoir le démonter facilement, parce que si jamais ça c'était fixe, bon bah déjà je peux pas ajuster, et surtout, et ben en fait pour démonter cette partie-là, je suis obligé de démonter la partie du dessus, alors que là j'y ai accès sur le côté en fait. Moyennant des trous dans le disque pour pouvoir enlever les vis ici, hein, on est d'accord. Mais rien n'est impossible. Bon bah c'est bien ça. Ok, ça a marché. Muscle ton pignon avec le roulement plus large que les pignons moteurs pour les. Alors. Si ton pignon avec le roulement est plus large. Ah, plus haut, tu veux dire? Plus épais? Plus large? Je sais pas si c'est ça que tu veux dire. Parce qu'en fait, c'est plus simple pour moi. Alors, je peux le faire plus épais. Mais c'est plus simple pour moi. De régler. Ah oui! D'accord, ok, je vois ce que tu veux dire. On va le faire. T'as raison. C'est pas. Ah, c'est très chiant en fait. Attendez, c'est très chiant à faire. Avec la génération, on va juste devoir faire quelque chose. Attends. Parce que je suis pas sûr de pouvoir faire juste ça. Faut que je revienne en arrière et que je recommence tout en fait. Ah! C'est vraiment le gros défaut de cette génération, c'est que, en gros, la manière dont il génère ces gears là. Je peux pas facilement lui demander d'agrandir ça. Par exemple, si je lui dis, bah, va pas à 5, va à 6, par exemple. Voilà, regardez ce qu'il va me faire. Il lui faut un peu de temps. Voilà, magnifique, hein? Parce que, bah, parce qu'il y a plein de. Ah! Est-ce que ce serait pas ça? Eh! Si c'est ça, c'est fou. Parce que j'ai cherché la dernière fois, je l'ai pas trouvé. Ah putain, c'était ça! Bon, c'est bon, ça m'a sauvé. Ouf! Par contre, il y a des trucs qui vont pas là. Il y a des trucs qui vont plus. Alors, on va revenir en arrière pour remettre le 44. Non. Voilà. Ok, on revient en arrière, on met le 44. Ici, on met 6, on est d'accord. C'est long à générer. Et là, on descend de 6. Je vais galérer pour trouver ça la dernière fois et je me suis dit bon il faut que je recommence tout, ça m'énerve en fait. Tu peux pas juste extruder la face. Alors voilà, c'est ça le truc, c'est que si jamais je fais ça, alors je sais que la dernière fois ça m'avait fait un truc dégueulasse. Alors, déjà c'est long. Voilà, ça me fait une petite ligne ici. Et à la génération du STL, je sais pas ce qui se passe, mais c'est un peu chelou. Donc t'es obligé de supprimer les faces une à une, donc t'as pas envie de faire ça. Donc en fait vaut mieux finalement faire la technique que je viens de faire finalement. Et du coup c'est possible. Alors par contre, il y a plusieurs trucs qui ne vont plus. On va revenir en arrière. Alors, ça c'est great. Je suis à combien? Je suis à 3. Ça c'est ouais, ça c'est good. Et tu peux te calmer toi. Voilà. Ça, ça ne sert à rien du tout, ça. Ça, on est bon. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ah, ok, c'est bon. Gotcha. Yes! Et. Alors, par contre, c'est pas moins 1, du coup, c'est moins 2. Ici. Alors, c'est pas très propre. Je vous l'accorde, j'aurais dû le faire dans l'autre sens de l'épaisseur du roulement. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est un défaut de. Ça, c'est une mauvaise conception, ça.
Vous voyez, faut pas faire ça, les enfants. 7. Nickel. On sauvegarde, on met... on met à jour. Normalement, ça doit être remonté. Yes, good. Merci beaucoup. Yes, comme ça, j'ai plus de marge pour pouvoir régler. C'est une très bonne idée. Ça, merci beaucoup. Alors, eh ben on est pas mal là. On est pas mal. Un petit jeu de fonctionnement, c'est quand même mieux. Oui, ça c'est sûr. Bonjour, je viens d'arriver. En quoi consiste ton métier live? Ouf! Alors, on peut pas parler de mon métier parce que sinon on va avoir pour des heures. basiquement, je suis femme manager et je fais de la pédagogie et de la médiation scientifique et technique autour de la robotique avec des jeunes. En gros, j'accompagne des jeunes à faire des projets de robotique, ou d'automatique, ou projets manuels de fabrication numérique ou pas. Et voilà, ça c'est mon métier. Et mes lives, c'est que je participe à des compétitions de robotique, entre autres, compétitions de robots autonomes, et compétitions de robots de combat de plusieurs catégories. J'organise des compétitions de robots suiveurs de ligne pour les gamins. Et du coup, pendant mes lives, je fabrique. Alors là, le concept des lives robotiques, en l'occurrence, c'est de fabriquer les robots en live avec vous. Donc, soit des robots de combat, soit des robots autonomes. Et là, ce soir, on travaille sur les deux robots autonomes qui participent à la Coupe de France de robotique 2020 ou 2021. Ça va dépendre des prochaines dates. Et on travaille sur le mat balise, donc l'organe qui me permet de détecter le robot adverse et de pouvoir l'éviter quand on voit quelque chose qui arrive. Voilà. J'espère que c'était suffisamment clair. il manque 3 heures au live. Ah oui, si jamais on veut refaire tout le truc. Écoute, si ça t'intéresse, je t'encourage à aller voir ma chaîne YouTube et ce que j'y fais, parce que tous les lives sont dessus. Et il y a quelques vidéos très courtes aussi, beaucoup plus courtes que les lives, qui expliquent aussi ce qu'on fait en robotique avec mon équipe. Il a une préférence pour les robots de combat. Pas une préférence pour les robots de combat, c'est-à-dire que comme je fais des robots autonomes de la coupe depuis plus longtemps que les robots de combat, c'est vrai que les robots de combat, c'est, voilà, c'est plus neuf, donc j'ai plus envie de m'investir aussi dedans. Mais tu dis ça, mais ça fait longtemps que j'ai pas travaillé sur les robots de combat. Les vrais, là, les gros, ça fait depuis l'annulation de la Maker Fight, au final. T'inquiète, je compense avec des lives de 12 heures à côté. Ah ouais, mais non, mais c'est une orgie tes lives, c'est pas possible. Oh, merci pour le monsieur, Aest. Super, je suis vraiment surpris de t'avoir découvert. Ah bah écoute, je te remercie. Écoute, c'est très gentil. Il manquera un robot de combat autonome et il combine les deux. Alors, figure-toi, un tie-break, figure-toi que une des premières compétitions de robotique que j'ai voulu organiser, c'était des micro-robots de combat de 200 ou 300 grammes et qui étaient des robots de combat autonomes. Sauf qu'en fait, c'était juste pas possible. C'était vraiment trop ambitieux, au final. Donc on est redescendu, on a fait les robots suiveurs de ligne avec les gamins, et maintenant, on commence à imaginer des robots de combat de 150 grammes, ou de un peu plus, mais téléguidés. Voilà. Mais on y est pensé, j'ai un règlement pour des robots de combat autonomes. Avec les trucs de sécurité, avec le bouton pour l'arrêter, avec une caisse anti-feu. Voilà, on avait une caisse spécifique pour ça. Donc ouais, c'était aussi un des projets mais que j'ai mis un peu de côté parce que j'ai été le seul à réussir à faire quelque chose. Alex, il s'en souvient de Aria parce que il avait essayé aussi de faire un robot et ça a été un peu compliqué. On veut ça. Je dois encore l'avoir, ce robot. Il était tout con, il y avait deux moteurs continu. C'était un bulldozer en fait, il poussait juste l'adversaire. Et c'était un robot qu'on avait fait pendant des soirées qu'on faisait qui s'appelait les nuits de la robotique. C'était des nuits qu'on démarrait à 17-18 heures. Et l'idée c'était de terminer à 9 heures et faire de la robotique toute la nuit en fait, d'avancer sur les projets. On a fait ça une année et après on a arrêté parce que c'était trop dur. Je sais pas quoi faire pour mon prochain live. Oh bah t'as des trucs à faire si ton robot il vient de monter. J'hésite entre code, mode balise du robot ou phare. Ah phare, on a pas beaucoup vu ça. Robots sumo, ils sont autonomes. Ouais, les robots sumo sont autonomes. Alors là, le but était quand même de défoncer l'autre, en fait, plus que des robots sumo. Mais c'est vrai que les robots sumo, c'est un bon robot de combat, entre guillemets, autonome.
Ça devient envisageable maintenant, non? Non, parce qu'en fait, d'un point de vue pédagogique, c'est un peu compliqué. Quand tu fais de l'autonome, regarde les poids des robots de sumo, je crois que c'est 800 grammes ou 1 kilo de mémoire dans les trucs. Donc déjà, un robot de 1 kilo de combat autonome, enfin déjà, pas autonome, ça devient très dangereux. Alors autonome, j'ose même pas imaginer, tu vois. Donc faire de l'autonome petit, pour les jeunes, et c'est quand même pas évident. Oui, parce que moi, mon public, c'est quand même les jeunes. Fast and light forever in the world. Ah oui. Ah oui, bah il y a des trucs ouf sur les suivis de ligne. Hein. Je l'ai déjà vu cette vidéo, je vous engage à la regarder. Et c'est assez fou. Tu ne fais pas partie de l'asso qui fait Maker Fight? Alors non, je ne fais pas partie de l'asso qui fait Maker Fight. Je ne fais pas partie du Technishtab, je fais partie d'un autre Fab Lab. Mais j'ai participé à Maker Fight. En fait, j'ai fait des interviews il y a 3 ans, il y a 2 ans à la Maker Fight. Et en vidéo. Et j'ai participé l'année dernière. On a gagné l'année dernière. C'était cool. Et cette année, on devait participer avec le robot qui est là-bas. Et qui n'a pas participé du coup parce que ça a été annulé. Tu connais Maker Fight du coup, l'Aishax. Jeune de 25 ans, bah ouais, en fait, jeune c'est jusqu'à 25 ans, mais en fait, moi, les jeunes, vraiment sur ce genre de trucs-là, c'est plutôt des collégiens, tu vois, collégiens lycéens, sur les petits trucs. Du coup, c'est vraiment, vraiment plus jeune, quoi. Et du coup, le robot suiveur de ligne, ça, par contre, il kiffe et ça marche bien, en fait. Et là, on devait faire un nouveau règlement cette année, où il y avait des trucs en plus du suivi de ligne. Malheureusement, ça a été annulé. Donc, on verra peut-être ça peut-être l'année prochaine. Donc, bon, c'était quand même super intéressant comme expérience. Je me lançais dans l'entrepreneuriat. Oh, bah dis donc, alors pour en avoir déjà un peu fait, et puis vu le contexte actuel, je te souhaite de la réussite et du courage, parce que ça va pas être évident. Ah bah écoute, si tu veux en discuter, ça peut se faire aussi sur le Discord. Il faut des combats de robots en VR. Alors, si tu veux des combats de robots et des robots en VR, il y a le copain Mike118 qui passe de temps en temps sur le chat. Je sais pas s'il est là, tiens, regarde, je vais regarder vite fait. Utilisateur dans le chat. Est-ce que Mike est là? Non, mais il a un robot qui est pilotable à distance à partir d'un Raspi qui vend. Donc c'est celui qui est derrière Robotmaker, Robotmaker le site, voilà, qui est un des partenaires de la coupe, de beaucoup d'équipes à la coupe, pardon, pas de la coupe directement. Et lui, je vais retrouver son, alors comment il s'appelle son robot déjà? Ça va me revenir, ça va me revenir, je vais m'en souvenir, ça va. Il y a des combats de drones aussi. Ouh, des combats de drones! Mais les genre quadricoptères et tout. Ah ça, si t'as une vidéo, je veux bien. Bon, ça ne fait pas avancer sur ma balise tout ça. On va faire un truc là parce que je le vois maintenant et sinon je vais oublier, ça va m'énerver. Allez, boum. Voilà. Ouh, ça c'est un peu violent. Ah ouais? Ok, donc maintenant qu'on a ça, en fait on a la base du robot, du plateau, il y a un truc qu'on va faire tout de suite, c'est insérer les aimants et voir où est-ce qu'on les insère. Et destruction de pales garantie. QA du combat de drone. Ouais, j'ai vraiment envie de voir ça. Ça a l'air assez impressionnant du coup. On va dégager le plateau pignon. Pourquoi le plateau pignon est en rose? Alors qu'il est en jaune là, c'est pas normal ça. Oh, il y a des trucs dans le. Qu'est-ce qu'ils ont fait au Color Cycling? Ah! Bah non. What? Il y a un bug sur le Color Cycling. Il faudra que je le reporte. Alors. Sur quoi se lancer après ça? J'ai envie de pas toucher à cette pièce-là, le support, de le garder vraiment pour la fin, pour l'intégration, et de travailler plutôt sur où est-ce que j'intègre ma carte électronique, où est-ce que j'intègre mes aimants, et où est-ce que j'intègre mes capteurs. Je pense que c'est peut-être le truc le plus important. Après, tout le reste, ça va être modifié, tout ça. Je m'en fais pas trop pour cette pièce-là. Mais
Mais par contre, j'ai vraiment besoin de travailler sur la position des capteurs et sur tout le reste. Alors, comme distance. Alors, par quoi commencer? Ah oui, bon, en plus, si vous m'envoyez des vidéos, on va pas s'en sortir. Mais non, c'est vraiment des combats avec des quadcopters. Oh! Mais sérieux là? Attends, le but c'est de défoncer l'autre ou il y a un truc à. Oh là là. Ah oui, merde, c'est vraiment de défoncer l'autre. Oh, c'est chaud! Ok, bah je reste sur le premier alors. C'est juste une boucherie, mais oui, grave! Mais à quel moment les gens ils se sont dit que c'était un concept rigolo? Ça va trop vite en plus, c'est tellement fragile ces trucs. Ok, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok. Il y a des choses des fois qui me dépassent, mais. Ok. Alors je pensais vraiment pas que c'était possible. Tiens. Alors, il y a un truc que j'ai appris quand même sur ce proto-là. Et vous allez rigoler, mais ça a l'air con, mais je suis sûr que vous n'y avez pas forcément pensé. Ou alors si vous y avez pensé, vous êtes bien plus fin que moi. Et ça c'est tout à votre honneur. C'est que quand j'ai commencé à faire tourner ce truc-là, j'avais des blocages réguliers en fait sur la rotation. Et je vais vous montrer pourquoi. Vous allez un peu vous foutre de moi. Je m'en suis rendu compte vraiment très tard. Ah non, je peux pas faire ça comme ça. Attendez, comment est-ce que je peux vous le montrer? Bah, en gros, c'est très con. Mais vous voyez les aimants là, qui sont là. Et bah, en fait, en dessous, il y a des vis à la tête chanfreinée. Et en fait, bah, quand l'aimant passait au-dessus, le système il se bloquait sur la vis parce que c'était plat et que, du coup ça s'aimantait. Et donc mon truc faisait clic 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 clic. Je comprenais pas de où ça venait et ça venait des aimants en fait, tout connement. Donc, ouais, on le voit un peu. Attends, je vais bouger ma caméra parce que là, celui-là a été modifié, mais pas tant que ça parce que sinon je devais modifier beaucoup de choses. De vous le montrer. Je vais vous le montrer directement sur le design. Donc en fait, il faut que je fasse attention à ça. Ça a l'air con comme ça, mais. Vous voyez, les aimants sont là. Et en dessous, alors où est-ce qu'il est? Il y a une vis. Voilà, c'est ces vis-là. C'est les vis de la carte. Et en fait, quand je passais au-dessus, et ben. Ça venait se bloquer. Et du coup, j'ai remplacé les vis par des vis plastiques. J'ai galéré à trouver des vis chanfreinées plastiques au dernier moment. Mais voilà, ça c'est un truc que j'aimerais éviter dans mon design. Donc, le placement des aimants, il est important. Surtout que là, quand ça va tourner, a priori, si je dégage mon pignon là, je vais passer au-dessus du shaft de l'axe du moteur. Et donc, faut pas que j'aimante ça, quoi, en fait. Donc, c'est soit je me mets véritablement à l'intérieur, soit carrément à l'extérieur. Et je ne sais pas ce qui est le mieux en soi. Est-ce que la carte peut être perturbée par les aimants? Pas du tout. Pas, non, pas du tout. Non, non, il faudrait un aimant de ouf. Et pas du tout. Il y a un lien dont j'avais déjà parlé. Oula, je commence à avoir beaucoup de pages web ouvertes. C'est sur Super Magnette. Je sais pas si je vais réussir à le retrouver rapidement. Mais ils expliquent un peu ça. En disant que oui, ça peut perturber, mais les. Ah non. Ah non, je suis des chaînes RLM, putain. Je me dis, ils ont changé le site. Mais il faudrait des aimants de ouf, en fait. C'est chaud, j'ai déjà vu des courses d'agilité. Ouais, ça c'est classique. Parfois, une battle au contact et à l'autonomie, tu peux même embarquer des drones dans tes drones pour faire des relais. Oh là là là. Alors, où est-ce que je vais trouver ça? Ils avaient expliqué dans leur site en quoi
Les aimants, oui, étaient dangereux, mais il fallait vraiment des cas très spécifiques. Guide pratique. Conseil de sécurité. Je crois que c'était là. Non, non, question-réponse. Question sur les aimants. Faudrait que tu recherches dedans, mais c'est expliqué quelque part. Je vais galérer à le retrouver. C'est quelque part ici. Mais en gros, ils expliquaient que y a des trucs pour le calculer et qu'en fait, quand tu calcules, c'est pas fou quoi. C'est-à-dire, il va pas se passer grand-chose quoi. Il va pas se passer grand-chose. Surtout qu'en plus là où je suis, il y a pas de. Faudrait vraiment que je sois plaqué dessus quoi, au final. Donc drone versus humain. Ah oui, mais oui. C'est Sam et Nico de. Ah comment c'est leur. Corridor Crew, voilà. Si vous, voilà, bah, bon, Corridor Crew. Si vous aimez le cinéma et les effets spéciaux, suivez The Corridor Crew. Ils sont vraiment cool. Et la vidéo est rigolote, effectivement. En Nerf, ils sont vraiment très très bien. Et ils font des superbes vidéos sur les VFX et sur les comédiens de doublage qui font de comment dire tous les gars qui font de la cascade et tout, c'est vraiment cool. Il n'y a pas une distance par rapport à l'axe de rotation à calculer pour connaître la fréquence de passage devant le capteur. Bah, il fait un tour. En soi, c'est la vitesse du tour, quel que soit l'endroit où je me mets, au final. Donc, non. Attends. Ne mets pas le doute comme ça. Bah, non. Non, non, bah, non. Non, 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 non. Non, 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 arrête. M'embrouille. N'embrouille pas comme ça. Non, non, en fait, ton disque il tourne à une vitesse donnée ou inconnue que tu dois chercher, que tu mesures ici, il va passer à la même vitesse que tu le mesures ici ou là, au final. Il y a pas de truc. La seule chose, c'est qu'en fait, ici, ton aimant, il va parcourir une distance moins importante que si jamais t'es là, mais au final, non, tu peux te mettre où tu veux, c'est pas un problème. Heureusement, parce que sinon, il y a plein de systèmes qui marcheraient pas. Tu m'as fait bugger, je me suis dit, attends, il y a un truc auquel j'ai pas pensé. Parce que c'est ça. Mais non, non, c'est bon. Tout est bon. C'est juste pour une distance linéaire. Voilà, là, sur une distance linéaire, sur un parcours, effectivement, là, si tu mesurais ça, oui, là, effectivement, il faudrait peut-être faire le calcul. Là, en l'occurrence, on s'en fout, et c'est ça qui est bien. Là, en fait, je sais pas par où commencer. J'aimerais bien designer d'abord la manière de fixer le capteur, et en même temps, je vois qu'il est déjà minuit 40. La manière de fixer le capteur et de l'orienter. On va passer côté atelier. Restons j'ai perdu. Alors, par contre, il va vraiment falloir que je nettoie ce tableau. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Parce que si je prends mon capteur là. Voilà. Le souci, c'est que les vis sont à l'arrière. Quand le capteur il est positionné comme ça, voilà, si ça c'est le bord de mon truc, de ma balise, que ça tourne dans ce sens-là, comme ça, c'est très facile d'orienter le capteur et de lui donner un angle. On donne un point de rotation, un petit oblong avec une rotation, et donc du coup, je peux modifier cet angle-là. Ça, c'est facile. Par contre, truc qui bouge dans tous les sens. Par contre, dans l'autre sens, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que comme ça,
voilà, faire quelque chose de plat qui fait bouger dans ce sens-là, de manière relativement précise, c'est moins évident, surtout que la visserie est à l'arrière. Alors, comment on peut faire? Parce que faut pas oublier un truc, c'est que mon système là, il n'est pas. Je vais mettre un peu de lumière là. Oh, ce vieux reflet de la lampe. Bon, désolé. Mon moteur, il est quand même pas foufou. Il est bien, il va entraîner ce qu'il faut quand il va y avoir deux capteurs. Il ne faut pas non plus que ce soit trop lourd. Voilà, que ça ne vienne pas des vibrations, il faut que ce soit le plus simple possible. Alors on peut caler avec des cales en impression 3D. Une charnière avec une vis pour orienter, ben, tu vois déjà rien que ça. Dans l'idéal, je voudrais que ce soit le plus plat possible. Alors, je ne vous ai pas tout dit en fait. C'est parce que si je prends mon design comme ça, vu du dessus, ça, c'est le haut de ma valise. C'est là où l'adversaire va venir mettre sa valise. Entre là et là, je vais avoir un système avec des ressorts et une courroie ici. Le système à ressort, il me permet d'orienter la valise, le support de valise, pour être sûr d'être à niveau. Bon, déjà ça, ce système-là, il prend de la place. Ensuite, voilà mon système, si je le fais à côté, ça c'est mon mat de balise, et que je veux détecter sur le robot adverse une balise qui est au-dessus, hein, qui est là. Plus mon capteur il est bas, plus mon angle est important pour pouvoir taper dans la balise. Et donc, plus mon angle est important, plus je suis sûr que quand mon robot va se rapprocher, et ben du coup il va détecter la partie réfléchissante parce qu'il va être ici, et plus mon robot va être loin, moins je vais pouvoir détecter aussi la balise. Je sais pas si je me fais comprendre correctement. Du coup, mon capteur, je dois le mettre le plus en haut possible. Donc, dans le meilleur des cas, il faut que mon capteur il soit quasiment, donc ce système là, hein, soit quasiment collé au support de balise adverse au-dessus. Voilà. Donc j'ai ici là, je veux le minimum d'espace pour justement assurer un bon fonctionnement. Et le alors ça c'est bon. Et le dernier truc qu'il faut pas oublier, mais bon là quoique. Attendez, je mesurais, mais je lui dis ça, mais tu peux pas inverser le support et le capteur. Ah bah non. Ça, forcément, c'est au-dessus. Je suis obligé de le mettre au-dessus. Là, c'est à l'inverse pour vous. Mon capteur fait déjà 9 mm d'épaisseur, quasiment. Et l'ouverture pour mon capteur, ici, là. Donc ça, c'est dans le règlement. Le max, c'est 2 cm. Et du coup, ici, j'ai pas beaucoup de place. J'ai pas beaucoup de place. Donc il faut que ça, ce soit mon capteur vert, là. Il faut qu'il soit le plus haut possible. Mais que je puisse encore le régler. Et qu'en plus de ça, voilà, j'ai ça qui fonctionne bien. Donc, le plus simple. Et le plus simple. Alors la charnière, pourquoi pas? Et comment on règle? Oh. Si on imagine une charnière en impression 3D, clairement, ce sera pas ce soir, mais si tout doit régler, c'est que ton mail est pas droit. Du coup, t'as pas intérêt à régler pour tout.
ton bas plutôt que juste le haut. Eh, eh, c'est ça que j'aime bien dans les lives en fait. Parce que t'as carrément raison. T'as carrément raison, ça fait des années que je règle là. Mais en vrai, c'est toute la balise que je pourrais régler. Et si je règle toute la balise, je peux être encore plus haut. Et ce truc-là, il a toujours été super chiant à régler. Et là, j'aurais plus de soucis. Balèze, merci. Comme quoi. C'est une super idée. J'aime beaucoup. Et ça me donne plus de latitude pour pouvoir régler ça en 3 points. Ok, merci. Bah déjà un premier point, c'est ça, on dégage. Merci beaucoup. Putain, j'ai pas du tout pensé à ça. Jamais pensé à ça, tu vois. Ça, c'est fixe. Et j'ai le reste, là, je sais pas ce qui se passe, là. J'ai le reste de ma valise. Et ici, de manière, j'ai un réglage de l'ensemble de mon. Ouais. Et volontairement, je ne sais pas ce qui va se passer ici, mais ça pourrait faire l'objet d'un live, designer plusieurs systèmes pour faire ça. Mais ça me permet de mettre de ressorts plus gros, d'avoir des vis plus importantes, de pouvoir régler à 3 points sans. Ah ouais. Ah oui, c'est carrément mieux, quoi. C'est carrément mieux. Merci beaucoup. Bah merci beaucoup, Alex. En gros, ce que je veux dire, c'est l'attacher par l'arrière sur un tube et une vis pour le décoller un peu. Par contre, tu n'as plus besoin du plateau. Ah. Mais je veux garder mon plateau pour pouvoir fixer mes. Pour pouvoir l'équilibrer et fixer mes aimants. Ah oui, ça, c'est pas trop un problème. Ok. Monter les capteurs. C'est toi qui m'as donné l'idée. Ah. Waouh, cette team, incroyable! Le capteur détecte à une distance donnée, a priori à partir de 300 mm, donc en théorie, de la trigo, tu dois pouvoir déterminer les angles limites pour orienter ton capteur. En fait, il détecte même plus proche que ça sur du réflectif. Je veux dire, là, il va détecter en fait. À ce niveau-là. Oh, pardon, là. Ces niveaux-là, ils détectent. Après, au plus haut je suis, au mieux je peux ajuster ce truc-là. Putain, c'est une super idée, ça. Merde, du coup, je suis en train de réfléchir à comment je vais orienter mon mat de balise, mais pas du tout comment je vais fixer mon capteur. Alors, attendez, on se reconcentre. Après, on peut faire on peut faire un peu d'horlogerie. C'est juste que le truc va tourner vite, donc je vais avoir un système qui soit une fois fixé, bouge plus quoi. Je peux dire une, je vais dire une connerie, puis vous allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que il y a véritablement besoin? Que ce soit à ce point réglable. Je pense à un truc, c'est que je pense à, sur les tours, quand on fait du tournage, fraisage, on met des petites cales de métal. On a cassé le live. On met des petites cales de métal pour pouvoir caler les outils, en fait. C'est des, voilà, genre des petites cales, quoi. Est-ce que finalement, ma solution serait pas d'intégrer des cales plus ou moins fines? Et de jouer avec l'élasticité de la fixation des vis pour que ça fonctionne. Genre, en gros, je vais faire avec des rondelles, mais c'est pas avec des rondelles que je vais le faire. Mais... Ah non! Attendez. Attendez, est-ce que c'est possible ça? J'ai une idée, mais je suis pas sûr que ça marche. Ah! Est-ce que tu as pensé à un système en filetage?
pistage, oula, c'est-à-dire, ça va tourner vite, donc il va falloir les fixer. Tu peux mettre une vis en dessous du capteur. Ouais, ouais, bah c'est exactement ce que j'étais en train de me dire, en fait. Est-ce que ça, c'est possible? Genre, attendez, je le dessine, et du coup, on peut en parler. En gros, si je prends... Est-ce que ça marche, ça? Ça, comme ça, par exemple. Le capteur là, voilà, les vis ici, et en dessous, la vis de réglage. Donc, je tourne ça, ça monte, ça fait pivoter ça, ça c'est fixé, et comme je suis à genre quelques millimètres, même pas, je suis des dixièmes de millimètre, c'est pas énorme, hein, l'angle que je dois filer. Ça, ça doit pouvoir le faire, ça. Je contrains un peu le capteur, mais à l'intérieur, il n'y a que dalle, c'est que du plastoc. Le seul truc, c'est qu'il faut pas que ça se desserre, ça. Donc c'est vis contre vis. Ça va être lourd, hein. C'est-à-dire une vis, et... ou alors faut vraiment le faire correctement. Avec un insert... Ah, j'ai perdu mes inserts. Mettre des écrous, un petit insert, ça, voilà, ici, c'est aussi pour ça que je pensais à une charnière pour la flexibilité. J'ai entendu parler d'un Discord tout à l'heure, quelqu'un à l'adresse, ah bah c'est bon, Roger il l'a partagé, avec une rondelle caoutchouc sur les vis à l'arrière du capteur. J'ai pensé à faire monter carrément la zone en marron. Ah ouais, carrément. Je vais parler de le mettre sur une équerre que tu accroches par l'arrière. Ah oui, ok. Ah oui. Car le réglage serait plus facile par l'arrière. C'est une possibilité aussi. Les rondelles en caoutchouc, je pense à un truc. C'est que... Dans les trucs de servomoteur comme ça. Alors, est-ce que j'ai ma boîte de servomoteur quelque part ? Alors. Yes. Ah non, je vais pas en avoir. Ah non ? Ah si. Dans les servomoteurs, il y a toujours ça. C'est des petits machins. Plastoc. Et on pourrait faire un truc dans ce genre là. Boîte de vis. Vous allez vite là. Salut Leisky. Barba cherche cerveau. Tu vas tout démonter si tu dois le faire par en dessous. Non, avec une petite clé Allen. On peut utiliser, tu vois, utilise une, pas une vis, mais une vis. C'est en dessous. Tu vois, tu peux le régler dans ce sens-là, comme ça, en dessous. Par le dessous comme ça avec ta clé quoi. Ici. Ça c'est pas très grave. Le truc c'est qu'il faudrait peut-être un peu de frein filet ou je sais pas quoi. Pour que ça marche vraiment bien. Et donc voilà, moi ce que je pensais c'est. Ça m'a fait penser à ces petits machins là. Alors si je prends une vis suffisamment longue. Non. Ah ouais, ça va quand même très très long. Tu avais une bague de caoutchouc qui passait autour de la partie rouge. Autour de la partie rouge. C'est une possibilité aussi. Après, je vais faire du moulage en caoutchouc. Ce sera pas la première fois. Oh, c'est pour vrai, ça. Voilà. Voilà. C'est ça, hein. Si
souple. Mais bon, est-ce que ça... Oh, bah non, ça fait pas grand-chose, en fait. C'est pas ça qui bouge. Par contre, là, ici, à ce niveau-là, oui. Ouais, c'est à ce niveau-là qu'il faut mettre. C'était que c'est... Ah oui, le coussin de positionnement, ah c'est pas con ça. C'est drôle. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu ça, tiens. En mini, mais c'est pas si ça existe. Mini, c'est très mini du coup là. En gros, c'est ça. Mais pas avec de l'air. Parce qu'en fait, la question c'est que je me demande si on n'est pas en train de chercher un peu trop loin. Parce que si ça se trouve, je sais plus qui est-ce qui disait ça. C'est pas Roger ou... Attendez, je vais remonter. Ah, c'était il y a longtemps. Ou Energy Geek. Ouais. Qui disait que finalement, on peut le fixer... On peut faire le calcul et puis le rendre fixe parce qu'on aura calculé avant l'angle d'inclinaison, quoi. Ce qui peut être aussi une solution. Et d'oublier la question du réglage. Mais à chaque fois, j'ai été emmerdé quand j'ai fait ça. Et du coup, j'aime bien cette idée de fixer là, d'avoir ça ici, bien se mettre là. Avec la vis qui appuie. En gros, c'est écrasé. On va essayer de faire le montage là-dessus. Ça, c'est facile à faire. Voilà. Je vais pas avoir un rotulage énorme. Ah ben, c'est... Sinon, tu règles la plaque en dessous à la manière des ailerons d'avion en mode animé. Ah, ouais. Aussi. Là, je vais pas avoir. Ouais, le problème, c'est qu'avec ce truc-là, là, il faudrait des vis vraiment plus petites. Parce que là, j'ai pas beaucoup de. Pas beaucoup de possibilités de la régler. Équiper plusieurs petites pièces en 3D avec différents angles, tester, prendre le meilleur angle. Bah, c'est effectivement ce à quoi je suis en train de penser. C'est peut-être le plus simple au final. Alors en impression 3D ou usiné rectifié quoi. Mais oui, c'est peut-être ce qui risque de marcher le mieux, ouais. Là, je vais me galérer avec mes vis. Pour un angle qui va être rikiki. Hein. Ouais. Écoutez, je pense que c'est peut-être la meilleure solution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... ça veut dire qu'on revient là, ça veut dire que le live est pas fini. non, ça veut dire que dans mon machin là, je vais creuser. Ah, en gros, ce que je vais faire, en mode dégueulasse, je vais juste pas l'enregistrer. Je vais remonter de 1. Voilà, what. Et là où je vais mettre mon capteur, je vais faire un rectangle. Alors mon capteur est excentré volontairement. Voilà. Il est pas centré sur le truc. Là je vais faire moins. Voilà. Et là-dedans je vais mettre une pièce avec mon capteur. Pouvoir en ficher les trucs, ça peut être une solution. Ça peut être une solution.
Si deux capteurs, tu peux les mettre à deux angles légèrement différents avec la vitesse de rotation, tu vas détecter à coup sûr. Ah, pas con aussi ça. Le truc, tu as le bon angle, faire la pièce plateau avec le bon angle. Non, parce que je peux peut-être avoir besoin de changer l'angle pendant la coupe. Donc je préfère pouvoir avoir la possibilité de le régler quand même. Fou aussi. Tes crayons sont pas mal, merci. Scène bureau. Oh, pardon, excusez-moi. Ouais, c'était pas très intéressant ce que j'ai fait en fait. C'était un peu pour. Je peux vous montrer ce que j'avais fait, mais c'était pas. Ah bah non, parce que j'ai supprimé. En gros, voilà, l'idée que j'avais fait. En gros, je vais creuser mon disque à un endroit. Moins de 5, et c'est là où je vais rentrer mes pièces qui vont me permettre de surélever ou pas mon capteur. Bon. C'est faisable, quoi. C'est complètement faisable. J'aime bien l'idée aussi d'avoir deux angles différents pour être sûr de prendre quelque chose. Ouais, bah c'est ça qui était proposé, c'était de faire plusieurs supports et pouvoir les changer au besoin, quoi. Plein de bonnes idées. Ok. Ok. Bon, écoutez, de toute façon, on va pas se lancer là-dedans, là. Il faut encore que ça fasse son chemin dans ma tête. Mais on a quand même avancé. On a quand même refait le truc au propre. Voilà, c'est nickel. Ça va être beaucoup plus intégré. On a une bonne base pour pouvoir faire notre plateau. On a trouvé l'idée de... Merci, Alex, pour pouvoir orienter là, tout le support basé. Ça, c'est quand même super intéressant. Ça mérite une nuit de réflexion, ça mérite même plus qu'une nuit de réflexion, je pense. sur ton plateau, tu peux faire plusieurs encoches. Ah oui, genre tu changes... genre un plateau hélicoïdal. Ça, tu tournes le... Oh, ça serait cool, ça. Tu tournes le capteur. Fou. je suis désolé, je ne vais pas rester plus longtemps à une découverte. Eh ben, merci. Merci. Écoute, avec plaisir, avec plaisir. Eh bien, bah, passez une bonne soirée aussi. De toute façon, je pense que moi, je vais m'arrêter là aussi. Eh ben, merci, Laifi, de me suivre. Je vais revenir ici. Merci beaucoup à tous de votre présence et de votre aide sur ce sujet, de vos échanges sur le live. C'était vraiment, vraiment cool. Jingle, ouais, je devrais avoir un petit jingle, toujours. Mais sinon, vous l'aurez tout le temps dans la tête, ça va être l'enfer. King du calendrier des lives. Ok. Queen. Kian. Client du calendrier des lives. Oui. Ah, lien du... Oui. Oui, écoute, t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ça va arriver. C'est juste que j'ai coupé mon Discord. Du coup, il faut juste me le refiler. Mais tiens, regarde. Envoie le calendrier des lives, Kamikaze. Voilà, parce que... forcément... Je lance le mauvais truc. Alors, merci de m'avoir suivi. Du coup, c'était vraiment cool. On a quand même... On a quand même pas mal avancé hein, sur ce sujet. Moi, je vais continuer à travailler dessus la semaine prochaine. N'hésitez pas à aller sur le Discord, à discuter un petit peu de tout ça, à échanger, etc. avec moi et avec les autres pendant la semaine. Comme vous l'avez compris, je suis pas le seul à streamer sur la Coupe de France de robotique notamment. Donc il y a plusieurs streamers qui font des lives un peu toute la semaine. Donc si Kamikaze, tu peux soit
Soit on le partage sur le Discord, soit tu le partages là, c'est toi qui vois. Donc par exemple Kamikaze chez Volutech, lui fait des lives également. Alex Ness, a aussi une chaîne Twitch, donc allez-y, suivez-le, il fait aussi des lives et c'est cool. Il y a King of Shouf qui est passé tout à l'heure, qui fait aussi des lives et qui fait d'ailleurs un live demain. Voilà, bah, il est là également. Donc voilà, donc n'hésitez pas à les suivre. Vous voulez pas partager le calendrier? Oh là là! Attends. Je vais le partager. Ça, tout le monde l'aura. Hop. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas les liens. Bon, vous savez quoi? Allez dans le Discord. Je vous partagerai tout ça dedans. Ça sera beaucoup plus simple, parce que sinon, ça va être l'enfer. Vous n'allez pas avoir tous les liens, etc. Allez dans le Discord, je vous partagerai tout ça. Néanmoins, c'était un super live. Merci beaucoup. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, à regarder un petit peu ce que je fais. La semaine prochaine, normalement, comme d'hab, dimanche 22h. Généralement, je donne l'info sur Twitter, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Je vous souhaite... Je vois pas de quoi tu parles, spécialiste de la longue distance. je vous souhaite une agréable soirée, nuit. Pour ceux qui veulent, on se retrouve en after. Je vais pas rester très longtemps, mais un petit peu en after sur Discord pour discuter un petit peu, échanger le temps que moi je mette en ligne tout ce qu'il faut. Et puis, écoutez, à la prochaine fois. Et merci encore. Salut à vous!